tous et à toutes pour cette nouvelle journée de réflexion et d'échange organisée par le Réseau rural régional des Pays de la Loire, réseau soutenu évidemment par la région des Pays de la Loire, mais aussi par la Commission européenne à travers ses fonds FEADER. Une nouvelle journée autour d'un sujet passionnant, la question de la sobriété foncière, une question qui préoccupe de nombreux élus à l'échelle des territoires et particulièrement dans les Pays de la Loire. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver. Conditions un peu exceptionnelles d'abord par les conditions de crise sanitaire que nous traversons, qui nous obligent à être inventifs aussi dans les modes d'organisation de notre séminaire à distance, exceptionnelles aussi par les moyens déployés, vous le comprenez ici, que nous sommes à nouveau dans un studio pour vous permettre de passer la meilleure journée possible, et enfin exceptionnelles par la diversité, vous avez à nouveau des intervenants que nous aurons au fil de la journée sur nos plateaux. Et on a eu l'audace aujourd'hui de une nouvelle façon de travailler entre nous. Nous allons partir, nous transporter sur une commune bien connue, puisque monsieur le maire de Cossé-le-Vivien était déjà présent dans ses interventions sur la boîte à questions que vous connaissez désormais bien autour de cette journée. Monsieur le maire de Cossé-le-Vivien a accepté que notre journée soit centrée, concentrée, comme une étude de cas sur le projet communal de Cossé-le-Vivien. Donc bienvenue à tous et à toutes à Cossé-le-Vivien pour cette journée, cette deuxième journée du réseau rural des Pays de la Loire. Souvenez-vous, lors de la première journée, on s'interrogeait, est-ce que vraiment c'est le moment de s'interroger sur la question foncière alors qu'on traverse cette crise sanitaire et économique difficile? Eh bien, les ponts, les connexions entre ces deux sujets-là sont assez évidents. Comment ne pas voir l'urgence de réinterroger la façon dont les cœurs de bourg, les cœurs de ville se réorganisent quand on parle du commerce, quand on parle du logement, de cette soif aujourd'hui d'une population toujours plus nombreuse de vouloir habiter un peu plus éloigné des centres, des grands centres urbains, dans des conditions de qualité de vie que le rural, dans sa globalité, peut proposer. Et donc le vrai sujet pour nous, c'est de prendre le temps de nous interroger sur cette approche, cette diversité autour de la maîtrise foncière, de la sobriété foncière et de la centralité de nos cœurs de bourg. Ça sera finalement l'occasion de nous interroger à nouveau sur notre capacité à lutter toujours plus fort, plus concrètement, contre l'éloignement croissant entre le domicile aussi et les questions du lieu de travail, sujet évidemment qui résonne à l'échelle de tous les territoires dans notre région. Bref, autant de sujets que nous allons prendre le temps d'aborder autour de cette journée. Alors comment on a prévu cette journée de travail? On vous le redit, vous avez sur votre écran, en bas de votre écran, une boîte à questions à disposition, elle est très importante. Cet outil doit vous permettre de vous sentir avec nous sur ce plateau, de vous sentir avec nous à l'aise à poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Nous serons là pour y répondre. Je suis heureux d'accompagner cette journée avec mon collègue serial intervieweur Christian Chattard, ici présent sur ce plateau. Nous serons tous les deux pour l'équipe Auxilia animée le réseau rural. Et donc, on a tout prévu pour que vous puissiez vous sentir à l'aise avec cet outil de boîte à questions. N'hésitez pas à l'utiliser dès que vous en éprouvez le besoin. Tout est prévu ici pour que vos questions arrivent jusque sur le plateau et elles seront traitées au maximum, je vous le promets. Lors de la première journée, vous étiez plus de 105 inscrits à cette journée-là et participants. Et j'apprends ce matin qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 150 personnes inscrites. Donc merci d'être là. On vous promet une journée rythmée, dynamique, des témoignages en présence sur le plateau, des témoignages à distance, des vidéos que nous sommes allés tourner autour de la région des Pays de la Loire pour rendre cette journée la plus agréable possible. Voilà, plus un long plaidoyer sur cette question, on a prévu, encore une fois, de l'échange, du partage, de l'inspiration avec des acteurs qui en valent grandement la peine. Donc, merci à tous d'être présents. On va tout de suite passer à l'introduction de notre journée avec Madame Motion, vice-présidente de la Loire. Madame Motion, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Vous êtes vice-présidente donc, du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous êtes aussi présidente d'un PETR, le pôle, le pays de l'Anjou bleu, pardon, dans le Maine-et-Loire, et donc vous étiez présente lors de notre première journée du 20 novembre dernier. Donc la première question peut-être, alors c'est un peu féroce comme question, en trois mots, comment résumer, que retenez-vous finalement de cette première journée que nous avons eue entre nous sur la question de la sobriété foncière? Bonjour à tous, merci de m'avoir réinvité aujourd'hui. Alors en trois mots, c'est impossible. Impossible à résumer cette journée du 20 novembre parce qu'elle était extrêmement intéressante. Ce que j'en retiens surtout, c'est que là, au XXe siècle, qu'aujourd'hui plutôt, nous sommes à un tournant sur l'utilisation du foncier, qu'il faut qu'on entame une nouvelle réflexion. Au XXe siècle, on avait besoin du foncier pour produire de l'alimentaire, produire de l'industriel.
on avait besoin du foncier pour consommer, que ce soit pour le résidentiel, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour les zones commerciales. Et ça a entraîné une énorme artificialisation des terres, avec un développement de la motorisation, parce qu'il a fallu mettre des réseaux routiers en place. Et du coup, ça a aussi éloigné les personnes. Aujourd'hui, on voit que le citoyen, il a besoin de se sentir vivant, il a besoin d'être en relation, il veut habiter à la campagne pour sa qualité de vie. Et il a besoin de ralentir son mode de vie. Donc ça veut dire qu'il faut repenser l'aménagement de nos territoires, arrêter la sur-artificialisation, anticiper le monde de demain qui sera différent du monde d'hier, mais qui sera également différent du monde d'aujourd'hui. Et puis avoir en tête que le développement économique peut entraîner la qualité résidentielle, mais que la qualité résidentielle attire les personnes et du coup peut développer l'emploi. Donc en fait, une équation pas facile à gérer pour les élus du territoire. Et une fois ce constat posé, mais comment fait-on pour préserver le foncier agricole, donc la thématique d'aujourd'hui ? 72% du territoire est consacré à l'agriculture, donc on a une région nourricière avec une agriculture durable, avec une agriculture diversifiée, avec beaucoup de modes de production et avec tous les produits agricoles sur notre région. Mais du coup, ce qui permet aussi une alimentation dans un premier temps locale pour nos concitoyens. Donc un foncier à préserver avec un enjeu d'installation-transmission qui permettra de faire durer l'emploi, la vitalité des communes, l'école, l'association, commerce. Et pour développer aussi, préserver les services environnementaux. Donc en fait, c'était le témoignage du vin au matin. Et puis l'après-midi, on a eu tous ces témoignages de collectivités, d'organisations qui ont pu finalement éclairer toutes les problématiques qui avaient été posées le matin. Donc cette journée, moi, j'ai trouvé extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante pour les élus, mais aussi pour tous les acteurs du territoire. Merci pour ce résumé rapide de notre première journée de travail, mais peut-être aussi vous interroger, parce que vous êtes aussi élu local, et peut-être vous livrer un peu davantage sur vos tripes, sur votre approche personnelle de la question foncière. Comment vous l'appréhendez, vous, en tant qu'élu local, cette question, finalement ? Eh bien, en fait, le foncier agricole, c'est un enjeu majeur. Pour son côté économique, comme je l'ai dit, côté alimentation, pour son côté environnemental, avec la biodiversité, le stockage de carbone, la ressource en eau, et le pays dans tout ça. Mais en fait, le pays, c'est un lieu d'émergence d'idées. C'est un lieu de laboratoire, de réflexion. Il doit permettre de prendre de la hauteur par rapport à cette thématique et il doit permettre aux EPCI qui composent le pays de réfléchir à toutes ces thématiques-là. Alors comment ? Déjà parce que le SCOT est porté par le pays, il doit permettre de réfléchir au niveau modèle d'aménagement du territoire et donc de sensibiliser les élus aux nouveaux enjeux. Le pays il doit jouer un rôle de coordination des politiques locales. Et pour ça, pour que le pays puisse porter ce rôle-là, il y a besoin de dialogue au niveau du territoire entre le pays et les EPCI. Alors, différentes actions, le PCAET déjà, le PAT, qui est une bonne approche. On voit bien que les PAT se développent un petit peu partout sur le territoire, que là, on a les appels à projets nationaux, régionaux, qui font que ça va encore amplifier. Et puis, travaille aussi sur la compétence mobilité qui va être prise par les EPCI et peut-être aussi mener une réflexion au niveau du pays par rapport à ces compétences-là. Donc, en fait, moi, en tant qu'élue présidente de mon territoire, j'estime que c'est la concertation qui aura lieu entre les EPCI et les pays qui nous permettront de réfléchir, d'aborder ces thématiques, de prendre de la hauteur et qui permettront du coup aux EPCI de mettre les actions en place. On voit bien que ce n'est pas un sujet facile, hein. Ça a été dit à plusieurs reprises par des élus locaux lors de notre première journée. Et finalement, aujourd'hui, si on revenait pour une dernière question sur l'outil, le réseau rural régional aujourd'hui des Pays de la Loire, finalement, c'est quoi le réseau rural pour vous ? C'est quoi son rôle ? Est-ce que c'est justement de mettre tous les sujets sur la table, y compris les sujets difficiles ? C'est quoi son apport finalement pour vous, en tant qu'élu local, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent ce matin ? En fait, je dirais que la réponse, vous l'avez dans la question. Enfin, le mot réseau, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Et puis, auquel je rajouterai un autre mot, celui de la transversalité. C'est terminé le travail où chacun était chez soi, réfléchissait sur son petit territoire, travaillait dans son coin et était tout seul. Le rôle du réseau rural régional, c'est de mettre en avant la concertation, le dialogue, le partage d'expériences, le faire ensemble sur toutes ces thématiques qui finalement, nous élus locaux, nous concernent chacun dans notre coin, mais en fait on a tous les mêmes problèmes avec ces thématiques-là. Alors à nous de trouver les solutions tous ensemble. Et je crois bien, je suis persuadée d'ailleurs, c'est ce que fait le réseau rural régional
en posant les thématiques, en allant chercher un maximum de témoignages pour que nous, élus, on puisse finalement s'emparer des questions, travailler ensemble et avancer. Et peut-être qu'on va laisser la parole aux autres, du coup, pour voir comment on peut travailler tous ensemble. Merci beaucoup, Madame Motion, pour ces mots d'introduction de notre journée, de cette matinée autour de la sobriété foncière. Je vous invite à rejoindre nos collègues en coulisses et j'invite maintenant sur le plateau Sylvain Grisot. Oui, je le vois arriver là-bas. Sylvain, bienvenue. Comme lors de notre première session, on a décidé de s'offrir un pas de côté pour démarrer la journée. Un pas de côté avec l'intervention la fois précédente de Valérie Joussaume, qui était maître de conférence à l'Université de Nantes, qui est venue nous faire un exposé critique finalement de l'ère de la modernité, où on voit bien que la description du monde usine qu'elle présentait, un monde fonctionnel, pratique, propre, etc., ne suffisait pas, selon elle, selon sa vision, à brosser le portrait de territoire fertile. Ce sont les mots qu'elle utilisait, des lieux idéaux du futur rural. La vie comme un jardin beau, sain et authentique, c'est le challenge qu'a proposé Valérie Joussaume lors de notre première journée de travail pour essayer d'esquisser des lieux résonnants et ancrés sur la question des territoires et de la question de la sobriété foncière. Et bien aujourd'hui, on a décidé de s'offrir aussi à nouveau une nouvelle carte blanche. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Sylvain Grisot. Bonjour Sylvain, bienvenue parmi nous. Bonjour. Vous êtes urbaniste, président fondateur de l'agence conseil Dixit.net. C'est aussi du circuit court, c'est une agence nantaise. Donc merci aussi d'être là pour venir enrichir la contribution de ce collectif, du réseau qui réfléchit sur la question foncière. Et vous êtes l'auteur récent d'un ouvrage passionnant, Manifeste pour un urbanisme circulaire, avec un sous-titre pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Tout un programme, mais au-delà de ce programme, vous avez 20 minutes ce matin pour nous livrer quelques repères, à mettre des repères dans le pot commun de la discussion, mais aussi pointer votre approche de la sobriété foncière. Sylvain, c'est à vous pour une vingtaine de minutes. Et je le redis à tous les participants à distance, saisissez la boîte à questions dans les propos de Sylvain pour venir nous poser vos questions. Je serai votre relais sur ce plateau. Merci Sylvain. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vous rassure, je vais pas vous asséner un cours. Hein, c'est pas le but du jeu. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir des mots aussi forts que Valérie. En tout cas, cela, il semblait porter. Je vais juste vous parler, alors, non pas de ce qu'il y a dans mon bouquin, mais de ce que j'ai découvert en l'écrivant, en fait. Parce que je suis un praticien. Hein, moi, je travaille dans beaucoup de territoires et souvent plutôt loin du cœur des métropoles, hein, notamment pour inventer des solutions, inventer des avenirs à des sites délaissés. Donc, c'est des friches ou c'est des futures friches. Et vous savez qu'elles sont nombreuses. Et j'ai eu besoin, alors par mon activité d'enseignement et de recherche aussi en parallèle, de poser des choses. Alors, je vais essayer de vous partager ça, c'est-à-dire des surprises, des découvertes. Alors, vous savez, depuis que l'homme est homme, etc., donc on est plus nombreux, on est plus en plus nombreux en ville. Hein, donc, évidemment, la ville grandit. Hein, alors, ça, c'est une autre... ça y est, ça ne marche plus. Tiens, voilà. Donc ça, c'est une autre image hein, de cette ville qui grandit un peu moins bucolique. Alors, donc là, je parle d'étalement urbain, donc il faut que je commence comme ça. Vous savez qu'en France, nous consommons l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Alors en fait, on vous ment quand on vous dit ça. On entend ça depuis des années et des années. C'est pas tous les 10 ans, c'est pas tous les 7 ans. C'est pas tous les ans, comme l'a dit le président Nicolas Sarkozy. En fait, c'est tous les 20 ans. En fait, ça veut dire que ça fait des années qu'on ne sait pas. On ne connaît pas et on n'est pas capable de mesurer le phénomène. Alors, il se trouve qu'on a des données, ces données du CADAS, ces données des fiscales, donc des données des impôts. Donc, hein, en général, elles sont assez précises. Et en fait, on consomme l'équivalent de 30 000 hectares par an de foncier. Quand je dis consommer, c'est-à-dire c'est le passage de ce statut d'espace naturel, agricole et forestier. C'est les ENAF. Hein. Ce n'est pas du tout le pâté breton. C'est vraiment des sols et qui deviennent des espaces urbains. Alors voilà, donc tous les 20 ans, donc c'est peut-être pas grave. Alors en fait, tous les 20 ans, c'est quand même, je vais avoir des problèmes avec ce machin, oui, c'est quand même une vingtaine de Notre-Dame-des-Landes tous les ans.
Non, et on n'a pas de manifestation au cœur de Nantes. C'est 5 stades de foot, mais ça, toutes les heures. Donc, on est quand même sur des surfaces absolument massives qu'on va retrouver un peu partout en France, mais surtout dans les territoires, a priori, les plus dynamiques qu'on retrouve ici, les métropoles, les espaces littoraux. En fait, le problème, c'est qu'on a un problème d'efficacité de cette consommation foncière. En fait, la population, enfin, la surface de la ville, elle croît 3 fois plus vite que la population de nos villes. Pire, en fait, on a un quart du foncier qui est consommé pour faire de l'habitat, donc globalement, c'est des lotissements, qui sont consommés dans des communes qui perdent des habitants. On a quand même 15 000 communes qui perdent des habitants en France. Eh bien, c'est elles qui consomment un quart du foncier pour les usages d'habitat uniquement. Je ne suis pas en train de vous parler d'entrepôts Amazon. Alors, ça pose des problèmes, évidemment, d'esthétique de la ville, des entrées, mais aussi des sorties de ville. Ça pose des questions environnementales, atteinte directe au milieu, fragmentation des milieux. Ça pose des enjeux agricoles. Je pense qu'on va très clairement en parler. On a une perte de sol agricole aujourd'hui, une perte nette, avec une stagnation des rendements en parallèle depuis le début des années 2000. Et puis, vous le saviez mieux que moi, on a des enjeux de transition et des impacts du réchauffement climatique qui sont en cours, ce qui veut dire autant de besoins de sol. Donc on est en train de, globalement, d'artificialiser les sols qui vont nous nourrir dans les décennies qui viennent ou qui pourraient en tout cas nous nourrir. Et puis on a une forme d'urbanisme à fragmentation avec un éloignement du cœur des villes de ceux qui, globalement, ne peuvent pas se payer la proximité, c'est-à-dire les gens qui ont des salaires normaux et notamment c'est ceux qui travaillent au cœur des métropoles pour faire tourner les hôpitaux ou les usines dont on a besoin. On est aussi, évidemment, sur une impasse climatique qui est associé notamment à la mobilité automobile, qui est de moins en moins une forme de mobilité, qui est de plus en plus une forme de stagnation à l'entrée des villes, puisqu'on passe 30 heures dans les bouchons tous les ans. Donc ça marche de moins en moins bien, il faut quand même se le dire. Alors en fait, la voiture, c'est une conséquence de l'étalement urbain, mais c'est aussi la cause. Alors, petit rappel, 1908, c'est la première Ford T. Comme vous le savez, elles étaient toutes noires. C'est un processus industrialisé, une forme de révolution technologique. Mais c'est allé moins bien, moins vite qu'on ne le croit. En fait, il y a eu énormément de débats dans les années 20 et aussi énormément de morts, tout simplement, puisque la ville n'était pas organisée pour la voiture. Et la voiture est rentrée dans la ville à une vitesse, certes fulgurante, mais surtout qui dépassait largement celle du piéton, sur un espace public qui n'était pas organisé. Finalement, l'organisation de l'espace public pour la voiture n'a commencé avec la première réglementation qu'en 1925 et à Los Angeles. Donc là, je suis en train de parler de l'épicentre de la culture automobile et c'était il y a moins d'un siècle. Il faut qu'on se souvienne de ça, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et on a eu le fameux croisement des courbes, pas celui dont on parlait en France, le nombre de chevaux en circulation et le nombre de véhicules en circulation autour des années 25. De quoi il nous parle ? Je ne parle toujours pas d'étalement urbain. En fait, non. Il ne s'est rien passé aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Ça ne s'est passé qu'après le premier suburb, ce premier lotissement, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire l'initiative privée d'un opérateur, Lewitt & Sons, qui a notamment un des fils Lewitt qui a fait la campagne d'Europe et qui a vu les modes d'industrialisation de production des baraquements de l'armée américaine, qui se dit, tiens, je vais faire la construction hors site, comme on le dit aujourd'hui, standardisée, comme on fait une voiture, mais je vais le faire en périphérie de New York. Pourquoi New York ? Parce qu'il y avait des infrastructures routières et autoroutières, notamment, qui ont été construites dans les années 30. Et donc, il construit le premier suburb, c'est-à-dire initiative privée, c'est du champ de patates, du champ d'oignons. C'est de la monofonctionnalité, que du logement, c'est de la dépendance automobile pour avoir accès aux autres services, et c'est de l'endettement des ménages, puisqu'il invente l'endettement des ménages grâce aux garanties d'emprunt que l'État fédéral accordait aux anciens combattants américains. Alors je vous rassure, on est aussi sur des formes de ségrégation sociale extrêmement marquées, puisque les premières, les Whittown, elles s'appelaient comme ça, elles se sont multipliées aux États-Unis, étaient réservées uniquement aux Blancs. Alors le modèle, il se développe aux États-Unis en suivant les infrastructures routières, notamment les grands plans d'investissement qui démarrent à partir du milieu des années 50. Ça veut dire que l'étalement urbain aux États-Unis, c'est dans les années 60. C'est quelque chose de récent et ça ne prend forme vraiment que dans les années 70 en France, avec cette courbe de l'équipement du territoire en réseau autoroutier. Vous voyez, ça démarre vraiment qu'au tout début des années 70, en même temps qu'on a un grand retournement des politiques de l'État, c'est-à-dire c'est l'abandon des grands ensembles, l'abandon de l'investissement sur le locatif et notamment le financement des bailleurs sociaux, avec un transfert des financements de l'État sur l'endettement des ménages,
le choix d'avoir une France de propriétaires sur un mode d'organisation qui est un mode d'organisation privé, c'est les lotissements, et c'est évidemment la maison individuelle avec la fameuse chalandonnette qui marque plus que simplement une image, c'est un changement de discours de l'État et c'est aussi un changement de politique publique. Alors, politique de droite, certainement pas, politique de gauche aussi, puisque finalement ça décolle qu'au tout début des années 80, et vous savez où et comment et pourquoi, puisque c'est les lois de décentralisation qui transforment 36 000 maires en 36 000 urbanistes. Et on a une forme de revanche en périphérie des villes et des métropoles, notamment de toutes ces communes qui ont connu l'exode rural et qui, pour un certain nombre d'entre elles, trouvent un nouveau modèle de développement. Et ça devient le cœur du modèle de développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain, mais ce qui était le rural, c'est-à-dire une attention portée aux franges de la ville, la construction progressive de lotissements en périphérie qui permettent à la fois d'accueillir du monde, d'avoir des recettes fiscales, mais aussi tout simplement d'avoir des enfants à l'école, hein, ou de maintenir les services publics au cœur des sites. Donc c'est tout un système qui s'est inventé il y a moins de 40 ans. C'est un système extrêmement récent. Par contre, on a tous toujours connu que ça. Donc ça a des impacts, évidemment, hein, sur les mobilités, mais tout ça, vous le savez. Alors, ça, je vous le raconte là, mais en fait, on en parle depuis 2000. La loi SRU, tout est écrit. Non, tout est écrit, il y a même les outils. Alors, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique, mais ce n'est pas un problème. Il ne s'est rien passé à part la crise financière de 2008 aux États-Unis qui a eu un impact tardif sur la consommation de sol à partir de 2010-2011, notamment lié à la crise de l'endettement des collectivités locales. Donc ça veut dire qu'on a eu un effet de baisse de l'étalement en France, une fois de plus, parce que le modèle du suburb s'est effondré aux États-Unis. Et notamment, les Wittenson, ce dont je vous parlais, ils ont plié boutique en 2007, donc ils ont fait faillite. En fait, on n'a pas réussi à vraiment réguler le rythme d'artificialisation. 2016, 2017, et on a eu la semaine dernière les chiffres de 2018, montrent une stagnation, si ce n'est une reprise de la consommation de sol. Alors, on a le zéro artificialisation net. Alors, il n'y a pas de logo officiel encore, donc j'ai trouvé que ça. Qui est finalement une nouvelle étape hein, de ces différentes réglementations qui ont émaillé les deux dernières décennies. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on a besoin de ces lois-là, mais qu'elles ne sont pas suffisantes. La prohibition ne suffit pas. On a besoin de changer de modèle de façon plus structurelle. Ce modèle qu'on a inventé il n'y a finalement que 40 ans, qu'on a importé il y a 40 ans en France, on a besoin de le transformer. On a besoin finalement de changer c'est ce fameux nouveau normal dont on parle. Hein. On a dissocié les fonctions, on les a éloignées avec les infrastructures routières. On a dissous la ville aussi parce qu'on a dans les surfaces urbanisées énormément qui sont dédiées notamment à la route et au parking. Et donc, non, faire la ville, ce n'est pas bétonner, c'est enrober, c'est essentiellement faire de la route et du parking, et c'est que 18% de bâtiments, ce qui pour nous est quand même l'idée de ce qu'est la ville, c'est-à-dire une vraie fonction urbaine. Alors, il faut qu'on aille vite, hein, puisque la ville de 2030, c'est déjà foutu. On est en train de bâtir le dernier tiers de la ville de 2050. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps d'inventer des choses extrêmement complexes. Il faut qu'on fasse avec les solutions qui sont déjà là. Alors, c'est ce fameux urbanisme circulaire. Je vais être bref, vous allez voir, ce n'est pas très conceptuel. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on a une matière non renouvelable qu'on consomme, qui est la matière première de la fabrique de la ville. L'urbanisme, pour moi, ce n'est pas une discipline, encore moins une science. On a des usages urbains et finalement, on a une forme d'obsolescence programmée, c'est-à-dire on génère des espaces vacants, des friches, des espaces sous-utilisés. L'idée, simplement, c'est d'éviter de pas repasser par la case poubelle, au même titre que l'économie circulaire, hein, avec plusieurs boucles. Et plus la boucle est courte, plus elle est vertueuse, notamment elle est vertueuse en termes d'économie hein, financière, mais aussi de création d'usage, de création économique, de frugalité en termes de matériaux, etc. C'est intensifier les usages. Donc c'est faire mieux avec ce qu'on a déjà, c'est transformer l'existant plutôt que d'éviter de faire du neuf, et c'est recycler des espaces plutôt que d'aller consommer des espaces en périphérie. Alors je vous rassure, j'ai rien inventé, et il n'y a rien à inventer, tout existe déjà, y compris chez vous, mais tout reste à faire parce que ce ne sont que des pionniers, hein, ce ne sont que des expérimentations, alors que le modèle généralisé n'est pas encore celui-ci. Les pionniers, c'est intensifier les usages pour éviter de construire. Moi, j'ai envie de... Philippe Biwix m'a fait l'honneur là, de signer la préface de la nouvelle édition de mon bouquin. Et il parle de... On n'a pas besoin d'un éviter, réduire, compenser. On a besoin d'un éviter, éviter, éviter. Il a raison.
Alors, moi, je l'ai traduit avec mes mots, c'est éviter de construire, intensifier les usages, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec les bâtiments qui existent, notamment les bâtiments publics? Est-ce qu'aujourd'hui, les bâtiments publics, les écoles, les mairies, ne peuvent pas servir à plus et amener plus de services urbains? Mais aussi les bureaux, mais aussi, par exemple, là, c'est le cas d'une école qui se transforme tous les étés en lieu d'hébergement, en lieu d'hébergement touristique. Et pourquoi pas, plutôt que de la laisser vide. Transformer l'existant, c'est éviter de déconstruire. Déconstruire dans ce cycle de renouvellement urbain, c'est un impact extrêmement important en termes carbone, mais aussi en termes de matériaux. Ça veut dire qu'on peut travailler l'existant. Ici, on rajoute des logements sur le toit d'un immeuble qui permet aussi de payer la réhabilitation globale. On peut aussi transformer des bâtiments existants. Donc là, on est sur ces fameuses transformations de bureaux en logements, mais aussi penser des bâtiments qui aujourd'hui pourront changer d'usage demain, c'est-à-dire penser à un bâtiment qui aurait cette vie comme un chat et puis qui anticiperait sa fin de vie. Puis recycler les espaces, c'est évidemment les densifications pavillonnaires. Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas la place. Ce n'est pas ce que dit l'INSEE. Hein. On a plus des 2/3 des logements individuels qui sont considérés comme structurellement sous-occupés, sous-peuplement très accentué pour 40% des logements individuels en France. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on est sur des logements qui sont sous-occupés, qui pourraient mieux servir, mais surtout, en fait, qui sont ces logements construits dans les années 80, 90, 2000, qui sont aujourd'hui habités par des seniors, et c'est des logements qui sont inadaptés structurellement au vieillissement, trop loin des services, inadaptés à des pertes de mobilité, etc., etc. On a énormément de choses à inventer, notamment pour avoir une population qui a besoin de proximité, et notamment de cœur des centres-villes, des centres-bourgs et du centre des villages. Il faut qu'on densifie mieux quand on doit le faire, mais aussi qu'on travaille les questions de foncier économique, le recyclage des friches d'aujourd'hui, mais aussi des friches de demain, que sont les grands centres commerciaux de périphérie. Alors, ça veut dire pour ça, il faut donc qu'on ait ces trois boucles, qu'on ait cet urbanisme circulaire, cette frugalité, cette inversion finalement du processus de décision, qu'on ne fasse pas la ville par défaut en neuf, en étalement, mais que par défaut, d'abord, on se demande si on a vraiment besoin de construire. Qu'on se demande si on a vraiment besoin de déconstruire, qu'on se demande si on a vraiment besoin de s'étaler. Et si vraiment c'est nécessaire, à ce moment-là qu'on s'étale, mais qu'on le fasse bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on tisse cette ville de la proximité, pas du tout qu'au cœur de Paris, avec cette ville du quart d'heure, mais au cœur de tous nos villages, de tous nos espaces urbains, que ce soit une ville pour tous, donc qu'on travaille la question des valeurs, hein, parce que la proximité, encore faut-il pouvoir se la payer. Ça fait une ville résiliente. Alors pour ça, on a besoin de révéler le foncier. Donc moi, je milite à la fois pour qu'il y ait un travail à l'échelle des SCOT, des PLU, des PLUI, de réellement identification des potentiels de densification, de recyclage du foncier, mais aussi qu'on crée des observatoires territoriaux, qu'on ait ces vrais atlas qui soient faits à un moment, mais mis à jour en continu. Et on a des acteurs, on a une ingénierie publique qui est en capacité de faire tout ça. Donc révéler le foncier invisible, ben oui, construire moins, donc couler moins de béton, c'est un fait, mais miser plus sur l'intelligence, c'est pas la même matière grise. Forger aussi les outils, on a besoin notamment d'opérateurs fonciers, d'établissements publics fonciers, mais plus globalement de foncières qui pourront préserver dans le temps long des espaces qu'on jugera trop critiques, trop importants collectivement pour les laisser gérer uniquement par le privé. Je veux parler du logement abordable, je veux parler des espaces commerciaux de rez-de-chaussée par exemple, je veux parler du foncier agricole de périphérie, etc., etc. Et pour ça, on a besoin de politiques territoriales cohérentes. Je suis désolé, on ne peut pas penser l'urbanisme à l'échelle d'un PLU. C'est juste pas la bonne échelle. On l'a vu, ces enjeux sont systémiques. Ils doivent être pensés à une échelle beaucoup plus large pour être cohérents. C'est une nécessité. On a besoin de poser le regard de façon plus large parce que parler d'urbanisme, c'est certes parler de logement, mais c'est aussi parler de mobilité, c'est aussi parler d'agriculture, c'est aussi parler de changement climatique. Donc, assurer cette cohérence territoriale, c'est évidemment le plus compliqué. On a besoin que chacun des acteurs pense système. Hein, et il y a un truc qui me rassure, c'est qu'on a vu quand on expliquait à 150 Français normaux, là c'est les membres de la Convention pour le climat, non seulement ils comprenaient les enjeux associés à l'étalement urbain, mais ils comprenaient aussi la nécessité de prendre un virage important, qui est sans doute plutôt une bifurcation, donc un peu brutale, par nécessité, mais aussi par opportunité, c'est des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire une ville qui finalement donne plus envie. Aujourd'hui, la ville frugale, la ville de la proximité, la ville pour tous, la ville résiliente, à la fin, c'est la ville dont on a besoin, mais dont on a simplement envie. Voilà, c'était beaucoup, c'était direct, mais voilà, j'espère en tout cas que ça nourrira les débats d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette carte blanche. C'était l'idée de vous laisser
le soin d'exprimer votre vision très, très singulière. En même temps, c'est un manifeste. Et donc, le manifeste suppose un propos aussi engagé. Et on est là aussi pour entendre des propos engagés. Moi, j'ai une première question peut-être à vous poser pour démarrer le débat. Je rappelle à tous nos participants, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Je serai le relais de vos questions, n'hésitez pas. Mais une première question peut-être. On est avec le réseau rural régional. Votre propos est tout de suite... très illustré, très évident sur les territoires très urbanisés, les grands centres métropolitains, mais on voit aussi que cette approche, que ces problématiques sont les mêmes aussi en milieu rural. Est-ce que vous avez pu étudier cette approche-là aussi dans la ruralité avec nos élus locaux ? Allez-y. Alors, étudier, non. Observer, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une prétention à la scientificité sur ces questions-là. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'à la fois, le besoin de changement, il est important sur le milieu rural. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a 10% du foncier qui est consommé en France, qui est consommé dans des communes dites rurales. Alors, on peut s'égorger hein, sur cette définition de ce qu'est le rural et ce qui ne l'est pas, mais peu importe. 10% du foncier et 2% des ménages accueillis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a bien un endroit, mais ce n'est pas le seul, mais la question de la frugalité foncière dans les espaces ruraux, elle est importante. Elle est absolument fondamentale. Et moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'inventions. Il y a beaucoup de créativité sur des espaces un petit peu particuliers sur lesquels on vient multiplier les usages, sur finalement des solidarités entre des élus locaux, entre des acteurs locaux, des habitants tout simplement, des initiatives qui sont prises par les uns et les autres, parce que aussi, on n'a pas une économie qui permet de tout faire, on n'a pas tous les acteurs présents, et on voit qu'on a à la fois dans le tissu rural des initiatives qui sont prises sur ces enjeux de distribution, de proximité, de mobilité, de partage, et aussi dans le réseau des villes moyennes et des petites villes, des prises de conscience importantes. Et je pense fondamentalement que cette idée de penser le territoire, la façon dont on fait le territoire au-delà de la limite communale, c'est aussi ce qui doit permettre de passer le cap. On aura un très, très bon exemple sur votre propos cet après-midi avec la communauté de communes de Nozay, où les élus de Nozay expliquent comment aujourd'hui l'influence de la métropole nantaise vient justement, pas forcément perturber, mais réinterroger la stratégie démographique et de développement du territoire de la Comcom de Nozay. Un reportage que vous verrez cet après-midi. Moi, j'ai une autre question, parce qu'on le voit bien dans votre approche, vous dites la solution à l'échelle des territoires de déployer des nouvelles coopérations au-delà des frontières, on va dire, administratives. On voit bien qu'il y a urgence à coopérer davantage parce que ça, c'est à la bonne échelle, en tout cas, que se situe cet enjeu systémique. Mais comment, peut-être un frein que nos élus doivent saisir à distance ce matin, c'est peut-être comment réussir justement à faire coopérer dans votre propos des acteurs publics et privés également. Parce que c'est un gros sujet. Comment mobiliser des acteurs privés aux côtés des acteurs publics? Alors, je pense qu'il faut qu'on repense. En effet, ce dialogue-là, aujourd'hui, on a des territoires sur lesquels on n'a que du public, et donc parfois personne, hein, et pas d'acteurs tout simplement, et des territoires sur lesquels on est uniquement sur des formes de régulation de l'action. En tout cas, on voudrait être uniquement sur les territoires d'une régulation de l'action privée. On arrive aujourd'hui sur un passage du « ou » au « et », c'est le terme de le « ou », c'est-à-dire soit compétition, soit coopération, à « et », compétition et coopération. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus ténues et sur lesquelles il faut qu'on réinvente un rôle pour le public, je dis même le collectif, parce que le collectif, quand on parle de commun, etc., quand on parle de foncière, ce n'est pas nécessairement des opérateurs publics, ça peut être aussi des formes d'opérateurs privés. Il y a plein de modalités différentes qui peuvent être là, sur lesquelles on vient flouter les choses avec, y compris des modes de financement public, des statuts plus ou moins publics, mais aussi privés, etc., etc. Je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'avec les solutions et les outils qui ont fait les 40 dernières années, on va faire les 50 suivantes. Il va falloir inventer aussi des choses sur la façon de porter, la façon d'agir, etc. On a besoin d'être créatif, mais sur le comment on fait. Je pense que moi, j'ai la sensation, en tout cas, que sur nos territoires, on est en train de se dire, OK, il faut prendre le virage. Comment on gère la fin d'un système d'un côté, et puis comment on fait pour de vrai, de façon très, très opérationnelle. Ça, c'est les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Avec une difficulté supplémentaire peut-être pour les territoires ruraux, pardon d'insister sur ces territoires-là, mais c'est que justement la prégnance de la civilisation de la voiture est encore plus forte
qu'en milieu très urbanisé. Donc il y a un débat entre la prégnance de la voiture et cette vision, comme vous le dites, qui semble progresser, cette bascule qu'on est en train de préparer sur l'économie de foncier. Alors oui, et en même temps, le village, il a vécu sans voiture aussi. Mais l'idée, c'est pas de se passer de la voiture. Finalement, s'il y a bien un endroit où elle sert à quelque chose, la voiture, parce qu'on fait de la distance. Un trajet moyen en voiture en France, c'est 3 km. Donc, voilà, c'est, on utilise un bus pour planter un clou. Enfin, il y a un truc qui dysfonctionne complètement. Donc, on déplace 1,2 tonne pour en fait bouger 70 kilos. Vous et votre sac, votre enfant. Donc, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et ça prend trop de place dans la ville, ce qui n'est peut-être pas le cas dans le milieu rural. À mon sens, la problématique, elle est moins là, finalement, que sur un vrai changement culturel. C'est à un moment, et ça, c'est écrit dans le droit, hein, y compris dans la LOLF, sur les usages fonciers. On associe structurellement en France avoir un projet politique, avoir un avenir avec une logique de croissance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, penser un avenir et un avenir souhaitable, un avenir qui donne envie, sans penser une croissance de population. Hein, et c'est inscrit dans le droit. Donc on va retrouver tout ça, c'est-à-dire vous êtes en carte communale, donc vous êtes en territoire rural, vous n'avez pas le droit de faire grossir votre village, hein, c'est la règle de constructibilité limitée. Mais non, il y a quand même une exception, vous avez le droit de faire un lotissement si vous perdez des habitants. Donc si vous avez du logement vacant, ben, vous pouvez faire un lotissement. Il doit y avoir une relation rationnelle entre les deux, je ne l'ai pas encore compris. Mais on a ça dans notre sang, vraiment culturellement. Il faut qu'on s'invente un avenir sur tous les territoires qui n'est pas nécessairement une croissance, qui est du développement, certes, qui est une envie, voilà. Il y a un enjeu de provoquer finalement les imaginaires, on le voit bien, on va le voir tout à l'heure à travers un reportage sur une commune de Mayenne, à nouveau près en paille Saint-Sanson, où ce n'est pas forcément si simple que ça de projeter un cœur de bourg rural en mode petit bourg du quart d'heure justement pour étouffer à pied, ou la question du rapport à la rénovation du logement ancien en cœur de bourg est souvent très dégradé, ça paraît un chemin plus compliqué que la facilité entre guillemets de faire un lotissement finalement. C'est plus compliqué. Enfin, il faut être très clair. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est la différence entre faire une Ford ET, c'est-à-dire on sait ce que chacun va faire. Il y a l'agriculteur qui vend, il y a le maire qui va ouvrir l'urbanisation, il y a l'aménageur qui va faire la viabilisation, vendre en promoteur et vendre à l'utilisateur final. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il le fait très bien et on a limité les interactions entre les uns et les autres. Vous commencez à prendre une bâtisse de centre-bourg sur lequel une association va créer une forme de co-living ou d'habitat participatif à destination de seniors qui pourront libérer des logements individuels à l'entrée du bourg, à destination de familles, etc., etc. Vous rentrez dans un sac de nœuds extrêmement complexe. Et pourtant, c'est bien ça qui est important. Parce que vous avez ramené des seniors au cœur du bourg, vous faites vivre les commerces locaux, vous créez des emplois pour assister ces seniors qui sont là. Ils vont être là beaucoup plus longtemps parce que les conditions de vie sont bien meilleures. Et vous avez libéré des logements individuels en périphérie sur lesquels il pourra y avoir une réhabilitation thermique et accueillir des familles avec enfants. Mais on le voit bien, ça, c'est un jeu complexe. Alors, toujours une intervention sur la boîte à questions qui dit on parle beaucoup de la densification, mais peu de l'urgence de repenser les routes et les stationnements pour dégager des espaces. Bon, vous l'avez quand même souligné à travers des chiffres saisissants, hein, 48% de l'espace aujourd'hui qui est occupé finalement pour la voiture, entre les parkings et les routes. C'est quoi cet équilibre à réinterroger? Alors, la question est tout à fait bien posée, c'est-à-dire on se fait peur quand on parle de densification. Alors moi, je rappelle, densification, c'est un processus, c'est-à-dire c'est pas du R+8 au centre des villages. C'est rajouter de l'usage dans des espaces qui, structurellement en France, notamment dans le rural, mais pas seulement, hein, dans le périurbain, etc., sont des espaces extrêmement peu denses. Enfin, la ville moyenne en France, c'est quoi? C'est un rond-point avec Pôle emploi à droite, un petit commerce, une boulangerie, et derrière, un lotissement extrêmement vaste avec des parcelles de 600 mètres carrés. C'est pas de la haute densité. Quand on pense densification, tout le monde pense aux métros parisiens à l'heure de pointe. C'est pas du tout ça. Donc c'est du progrès. Donc on en fait un peu plus. Et en effet, il y a de la place à prendre, notamment sur la voiture et sur le stationnement. Aujourd'hui, c'est finalement un bien extrêmement pléthorique et que personne veut regarder. Typiquement, si vous voulez avoir des économies de sol,
si vous voulez avoir un plan de relance extrêmement peu coûteux, si vous voulez activer finalement l'économie chez vous, hein, supprimer simplement les obligations de stationnement liées à l'acte de construire, c'est-à-dire au PLU, vous supprimez les obligations de stationnement. Ça n'empêche pas les gens de faire des places de parking. Ils peuvent en faire, hein, mais c'est à eux de voir et ils en font quand il y en a besoin uniquement. Peut-être une dernière question pour finir. On le voit bien, les choses bougent. On voit bien que les élus ont mis ce sujet sur la table, l'exemple du réseau rural ce matin. L'urgence aujourd'hui, c'est cet accompagnement au changement. Mais peut-être, on parle souvent d'accompagnement au changement auprès des élus, mais il s'agit d'embarquer finalement aussi la population avec eux. Complètement. Tout le monde se tient et si on n'a pas des techniciens qui sont convaincants et qui, à un moment, un lundi matin, arrivent au boulot et se disent « Bon, aujourd'hui, je ne vais pas faire l'inverse de ce que je pense chez moi, c'est-à-dire je vais faire la même chose chez moi qu'au boulot et donc je vais affirmer les choses », déjà, ils seront mieux, ces professionnels-là, dans leur peau. Et croyez-moi, j'en entends beaucoup en ce moment qui vivent mal ou qui démissionnent d'ailleurs. Ils vont expliquer à leurs élus. Les élus vont expliquer aux citoyens, mais surtout les citoyens vont expliquer à leurs élus qu'eux sont prêts à bouger. Et ça, on le constate à tous les niveaux. Et le succès de ce petit bouquin montre aussi qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus ouverte que ce que ça l'a été. Alors, c'était le cas avant la pandémie, mais je suis persuadé qu'il y a 5 ans, les débats n'auraient pas été de la même nature. Merci beaucoup, Sylvain Grisot, pour cette carte blanche très intéressante, inspirante aussi, j'espère, pour tous ceux qui sont à distance et qui nous suivent. Je rappelle ce super bouquin nouvellement édité donc, et préfacé, vous avez raison de le rappeler, par Philippe Biwix. Ce bouquin, donc, Manifeste pour une économie circulaire de Sylvain. N'hésitez pas aussi à le lire, mais peut-être aussi l'agence Dixit.net, l'agence nantaise, je crois, serait tout à fait... intéressé, partie prenante aussi pour accompagner les territoires et faire bouger les choses sur ce beau sujet de la sobriété foncière. Merci Sylvain et à bientôt. Bon courage, bon retour. Merci Frédéric, merci Sylvain. Avant d'accueillir nos prochains invités, on va poursuivre en effet cette discussion avec nos intervenants. Mais avant cela, nous souhaitions vous poser ces quelques chiffres, les derniers de la journée, je vous rassure, afin de cadrer le débat et nos échanges à l'échelle régionale. Hein, dans la foulée des propos de Sylvain, vous voyez à l'écran ces quelques constats qui témoignent déjà, il faut le dire, hein, de la grande attractivité démographique à l'échelle régionale de toute la façade atlantique et notamment du Grand Ouest en général. Cette attractivité fait que les Pays de la Loire sont la troisième région de province la plus artificialisée, avec 12% de sa surface qui est actuellement artificialisée, et un rythme d'artificialisation au-dessus de la moyenne nationale, il faut le dire également. C'est une artificialisation qui augmente également plus vite que la population, on le voit, hein, entre 2012 et 2017, plus 4,4% pour l'artificialisation contre 3,4% pour la population. Ça fait écho effectivement avec les propos de Sylvain Grisot. C'est ça, je pense, hein, la définition de l'étalement urbain. On y reviendra tout au long de la journée. Deuxième image, c'est le corollaire. Hein. C'est la consommation de foncier qui est élevée, très élevée effectivement dans le Grand Ouest. On voit la carte, hein, du rythme d'artificialisation par commune avec une croissance supérieure à 1 hectare par an ces dernières années. On la doit principalement pour de l'habitat. Hein, ces dernières années, 2/3 des nouvelles surfaces artificialisées liées à l'habitat, au résidentiel. Mais on note également plus récemment une accélération de l'artificialisation liée à l'activité économique. Mais aussi, effectivement, c'est le lien, hein, une artificialisation au détriment des terres et activités agricoles. C'est forcément un gros sujet que l'on va aborder tout à l'heure avec nos intervenants. Je vois effectivement que nos deux prochains témoins sont déjà sur le plateau. Un grand merci à vous, puisque nous avons le plaisir d'accueillir, pour entamer cette séquence de témoignages, M. Christophe Langouette, qui est maire de Caussel-Vivien et président de la communauté de communes du Pays de Cran. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un grand merci pour votre participation. Et nous accueillons également Christopher Rutherford, qui est responsable du pôle planification et développement économique à l'agence d'urbanisme de la région Angevine.
Bonjour. Bonjour Christopher. Je crois que nous avons aussi la chance d'accueillir Laurent Delfaux, qui lui est en duplex, qui est responsable opérationnel de l'établissement public foncier de Vendée, qui nous rejoindra pour les questions par la suite. Monsieur Langouette, maire de Caussel-Vivien, Frédéric parlait tout à l'heure d'études de cas. C'est ça effectivement que l'on va aborder avec vous. Vous allez être un peu notre fil rouge aujourd'hui pour décliner l'ensemble des enjeux de la sobriété foncière. Si vous êtes d'accord, votre témoignage, nous allons l'aborder en trois parties. Dans une première séquence, les enjeux liés à la revitalisation de votre cœur de bourg et tout ce qui va toucher de près ou de loin à la densification de votre commune. Dans une deuxième séquence, nous allons aborder les enjeux liés à l'activité économique et tous les débats qui vont toucher de la périphérie à la centralité. Et enfin, dans une dernière séquence, les enjeux liés à la pression sur l'activité agricole. Pour chaque séquence, vous allez pouvoir discuter, et c'est le jeu effectivement d'une libre discussion avec différents experts, différents témoins qui vont venir justement poser votre regard sur la situation de votre commune, mais plus globalement les enjeux à l'échelle régionale. Monsieur Langouette, Caussel-Vivien, effectivement, nous y posons nos valises dans un premier temps. Caussel-Vivien, c'est 3100 habitants, 20 km au sud de Laval. Pour compléter le portrait, on le voit effectivement, vous avez à l'écran la vision satellite du développement de Caussel-Vivien. C'est important, hein, la départementale qui traverse votre bourg, la départementale qui relie Laval à Cran. On y reviendra, ça fait partie des enjeux, j'imagine, qui vont aussi diffuser votre réflexion stratégique. Avant cela et avant de commencer l'échange avec vous, vous êtes venu avec une vidéo, puisque les équipes de France 3 Pays de la Loire sont venues dans votre commune il y a quelques semaines pour proposer un témoignage vidéo sur les travaux qui sont en train de bouger le centre de votre commune. On se rejoint juste après pour commenter cette vidéo. C'est un chantier hors normes en pleine ville. Coût des travaux, 260 000 euros. Tout un pâté de maisons est démoli, ou plutôt déconstruit. Aujourd'hui, tous les matériaux sont triés au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et c'est pour ça qu'on a équipé des pelles mécaniques au niveau avec des grappins qu'on appelle, pour trier à l'avancement du chantier les matériaux qu'ils trouvent sur le site, quoi. Il fallait en effet faire disparaître cet ensemble de maisons du 19e siècle qui parasitait le quartier, car le centre-ville de Caussel-Vivien fait peau neuve et se redessine. On redensifie surtout. C'est, l'objectif, c'est de redonner vie au centre-bourg, de façon à donner plus d'intérêt, plus de dynamisme au niveau des commerçants et à la revente de certaines maisons. Et dans cette commune de 3200 habitants, on ne cède pas à la morosité. Ici, c'est la salle des fêtes qui est entièrement rénovée et agrandie. Plusieurs places ont été refaites. Les collectivités rurales doivent s'affirmer et évoluer avec une adhésion de la population et des commerces, même si, comme partout ailleurs, il faut s'armer de patience. Les gens, ils en parlent ? Oui, tout à fait. Ouais. Ils étaient au départ pas très satisfaits des travaux. Et au fur et à mesure des travaux, ils ont vu comment ça, l'amplitude que ça prenait, et ils sont vraiment satisfaits maintenant. Sur les presque 2 hectares récupérés en partie au centre, la ville compte installer une maison médicale, une pharmacie, un centre social et probablement un EHPAD. Et à l'horizon 2024, les poids lourds ne passeront plus. Le contournement promis devrait enfin voir le jour. On le voit, hein, je pense que cette vidéo elle mérite de poser tous les sujets de la vision stratégique pour votre cœur de bourg jusqu'à l'acceptation des citoyens, de vos administrés. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, juste le point de départ. Est-ce qu'on peut dire finalement que le projet de contournement routier marque véritablement le début, le point de départ en tout cas de votre démarche de revitalisation ? Oui. Oui, je pense que vous avez raison sur ce sujet. Le point de départ, ça a été la décision, la déclaration d'utilité publique signée par le préfet qui nous laissait entrevoir une possibilité de contournement très, très forte entre 2020 et 2025. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle ? Comment
On rend le bourg plus attractif, plus joli, plus agréable, plus sécurisé, avec un cadre de vie qui serait reconnu, des services à la population et ensuite, surtout du commerce. On a vu hein, avec les travaux de démolition, je crois que c'était le futur îlot, hein, grande rue, qu'on voyait être détruit. Alors, je ne sais pas si les termes choisis dans le reportage étaient bons, hein, le terme de parasitage est très fort. J'imagine que ça vous fait réagir. Mais je crois que vous avez fait l'acquisition hein, d'un terrain de plusieurs hectares, justement, dans le centre-ville pour y projeter des services de santé, mais aussi des services du collectif, hein, tout simplement, du résidentiel. J'aimerais avoir justement finalement votre vision et tout simplement que vous puissiez nous en dire plus sur votre vision long cours pour votre cœur de bourg. Alors peut-être, moi je voulais rebondir sur comment les propos de l'intervenant oui. précédent, parce qu'il nous a parlé de terrain de foot, etc. Et c'est vrai que je crois qu'il appartient vraiment à chaque élu local de défendre cette consommation de terres agricoles ou cette non-consommation de terres agricoles, dans le sens où je crois qu'on a encore environ 36 000 communes en France. Et si chaque commune économise, par le biais de la densification urbaine, 5 000 mètres carrés, qui sont rien, 5 000 mètres carrés, eh bien, ça fait que 18 000 hectares. Je pense que ça permet d'avoir quand même quelques repères. Et on voit bien que chacun à son niveau, au niveau communal ou intercommunal, au travers d'un PLU ou d'un PLUI, qu'on peut vraiment agir pour éviter de consommer des terres agricoles. Pour revenir sur ce projet de Grande Rue, c'est un projet qui a démarré avant que je sois élu maire, avec l'achat de quelques jardins. Et le maire de l'époque voulait faire de l'habitat alternatif, qui se situait juste en face de la maison de retraite, avec un accès aux services et entre autres au repas. Et on a eu la chance de pouvoir préempter, ce n'est pas toujours des moments faciles, de préempter sur une propriété d'un peu plus d'un hectare. Et ça nous a permis vraiment de lancer ce projet. Mais vous voyez bien, 2010-2020, aujourd'hui en 2020, la maison de santé est quasiment terminée. La pharmacie arrive, un EHPAD peut-être demain. Aujourd'hui, vous voyez à l'écran le projet de Mayenne Habitat avec une résidence d'une douzaine de logements. Ce sont vraiment des projets au long cours. Et effectivement, pour des élus de petites communes, des projets qui sont lourds à porter à deux niveaux, d'un point de vue technique, c'est-à-dire l'approche, et ensuite du coût. Tout à l'heure, on donnait le montant de la déconstruction. Ouais. C'est juste une partie de ce projet. Et effectivement, il est beaucoup plus facile de s'étaler à l'extérieur en rachetant un champ qui va nous coûter 2, 3, 4 euros le mètre carré, hein, selon les communes, plutôt que de faire un projet comme celui-ci qui va nous coûter à peu près, avant de faire des constructions, aux alentours de 60 à 70 euros le mètre carré. On reviendra sur les enjeux justement de portage foncier, puisque Sylvain, effectivement, Grisot, appelait de ses voeux le développement de foncières, notamment pour venir soutenir le développement des territoires ruraux et des communes. Peut-être juste un mot des images que l'on voit à l'écran, puisque votre travail sur cet îlot Grande Rue, sur ce développement du résidentiel, fait écho aussi avec cette réinvention de la centralité à l'échelle de Caussey-le-Vivien. On le voit avec la place du champ de foire et les fonctions, les usages, notamment commerciaux, qui ont été repensés pour contribuer à l'attractivité du centre. Tout à fait. On entendait tout à l'heure le commerçant dire que ça avait été un petit peu laborieux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que des travaux de cette taille-là perturbent énormément les habitudes des citoyens, le commerce oui. aussi, hein, qui peut être impacté très fortement. Là, sur cette photo, on voit juste à droite l'ancienne trésorerie qu'on a réhabilitée. Alors là, il a fallu vraiment faire de la pédagogie, puisque nous avons fait un local commercial, alors qu'on a pas mal de locaux commerciaux qui sont vides, mais qui sont très vieillissants, qui sont pas accessibles, qui sont pas pratiques, qui sont petits, en un mot comme en deux, qui sont mal foutus, hein, quand même, hein, c'est quand même ça. Et là, comme par hasard, si on pouvait revenir sur la photo d'avant, juste à gauche, on avait une ancienne supérette
qui était fermée, je vais vous dire, depuis 10 ans, je ne suis pas l'année près. On la voit, c'est l'arrondi blanc juste derrière le campanile. Et bien là, c'est un privé, et ça fait du lien avec l'intervenant précédent, Vincent, qui disait que le privé a sa part aussi. Et on voit bien que lorsque le privé peut faire, il ne faut pas que les collectivités empêchent ou fassent à la place d'eux. C'est quelque chose qu'on doit faire de façon concomitante, ou en tous les cas, comme vous parliez tout à l'heure de collectif, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien là, cette ancienne supérette a été totalement rénovée, et nous avons trois commerces et artisans qui sont dans cette zone-là. Et on ne le voit pas sur la photo, mais il y a une fleuriste qui est venue s'installer juste à côté, sur un petit bout de terrain. Elle a construit son magasin, et elle a investi grandement. Et je pense que si elle a investi, c'est qu'elle savait que ça pouvait marcher. Donc on voit bien qu'au travers d'un aménagement public, d'un espace public, l'investissement des privés est là, oui, tant que il y a quelque chose de réfléchi entre tous ensemble. Monsieur le maire, j'ai le droit d'interrompre notre serial intervieweur pour poser une question. Juste une petite question, justement, sur l'exemple de la grande surface. Alors, si je comprends bien, elle est plutôt en centre-bourg, déjà, la grande surface. Donc, c'est déjà un choix. C'est pas neutre. Hein, ça n'a pas été déplacé. C'est l'ancienne grande surface. Hein. C'est ça. C'est une ancienne supérette qui a été modifiée. Et là, maintenant, vous avez un peintre, un artisan du bois et une fleuriste. Et donc ma question, c'est au-delà de cette articulation, cette opportunité finalement que le propriétaire de la grande surface ait voulu se rénover, s'étendre, etc. Comment vous organisez ça en tant que maire? Ça m'intéresse de comprendre, moi, finalement, quand vous avez ce projet de rénovation du cœur du bourg, comment vous y êtes pris pour donner envie, peut-être, pour provoquer un petit peu la mobilisation de tous les acteurs publics et privés? On a quelque chose à faire ensemble, finalement, dans cette nouvelle approche de la densité du cœur de bourg. Comment vous avez fait concrètement pour mobiliser la prise de conscience? La prise de conscience, comment dire que j'y suis pour quelque chose, c'est toujours un petit peu prétentieux. Je pense que c'est aussi un travail d'équipe. C'est pas le fait du maire, c'est pas le fait d'un conseil municipal. C'est bien le fait de tous ensemble. Si vous partagez vos idées, si vous en débattez, si vous arrivez à les construire ensemble. Alors, comment vous arrivez avec une idée, hein, c'est rare quand celui qui est en face ou ceux qui sont en face en retiennent la totalité, tout simplement parce qu'il y a des choses qui leur conviennent pas. Eh bien, comment vous construisez un projet avec ces échanges. Et l'association des commerçants, qui est vraiment très dynamique à Cossé, l'a entendu et est capable de relier cette parole. Et nous, de notre côté, bien, naturellement, on entend les remarques de l'association des commerçants. Sur l'espace Grande Rue, dont on voyait la déconstruction des maisons à l'instant, on a fait trois réunions avec les citoyens. Je veux dire qu'on avait une cinquantaine de personnes, ce qui est pas mal, hein, quand même, qui se sont intéressées effectivement au projet. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, écoutez, si vous faites des constructions ici, on aimerait bien que ça soit un prolongement du bourg. Un prolongement du bourg, tel que nous l'avons compris et tel qu'ils l'ont exprimé, c'est tout sauf un lotissement classique. C'est des maisons en bordure de rue, c'est des maisons collées, c'est naturellement plus de logements à l'hectare, c'est tout ça. Et l'intensification urbaine, au-delà de ne pas consommer ou de moins consommer de terres agricoles, c'est aussi rapprocher les citoyens des commerçants. Si vous rapprochez ces deux entités, on va dire, entre guillemets, eh bien, comment vous avez plus de commerce, ou en tous les cas, plus de clients dans les commerces. On est encore dans des communes où nous avons des commerces, mais il faut les préserver, il faut savoir les accompagner et leur expliquer ce qu'on fait. Pas juste arriver en disant que vous avez la science infuse, il faut vraiment construire ce projet avec eux. Merci pour cette première immersion à Cossé-le-Vivien. Le décor est planté, on va dire, avant que Christian et ses invités puissent justement réinterroger votre approche de Cossé-le-Vivien. On vous propose en vidéo maintenant une deuxième immersion, une deuxième expérience. On reste en Mayenne, figurez-vous, puisqu'on va partir à la rencontre de monsieur le maire de Pré-en-Paille, Saint-Sanson, nouvelle commune, et autour d'un projet finalement avec les mêmes objectifs, mais une approche sans doute différente, puisque là, il ne s'agissait pas d'essayer d'attendre une déviation, un contournement routier, mais au contraire, de plutôt le refuser. Donc, ça sera intéressant d'entendre nos collègues urbanistes tout à l'heure sur cette question, plutôt de dire non, on est traversé par cette nationale-là, c'est notre arrêt principal, et comment on peut repenser cette densité à l'échelle d'un village rural du nord de la Mayenne. Nous sommes tout près même d'Alençon, de la Normandie. On balance cette vidéo pour 4 minutes et on se retrouve juste après.
Alors après, en Paille-Saint-Sanson, on est 2400 habitants, on est plus du Mont-Saint-Valoir. Alors ici, on n'est pas résigné. Nous, ce qu'on veut, c'est démontrer aux gens qu'on vit bien dans notre commune rurale. Nous sommes ici à notre maison témoin. Donc l'objectif, c'était de démontrer qu'on pouvait rénover des vieilles maisons dans le centre-bourg et pouvoir faire venir des familles pour pouvoir faire vivre nos commerces, qu'ils aient la proximité des écoles, qu'ils aient la proximité des associations, des médecins, sans avoir l'utilité de prendre la voiture. Donc nous avons acheté deux petites maisons dans le centre-bourg dans les années 2017 pour pouvoir démontrer qu'on pouvait faire venir des familles ici dans le centre-bourg. Donc on a commencé les travaux en avril 2019, on a fini presque un an après. Et durant les travaux, l'objectif c'était de faire voir l'évolution des travaux. Donc déjà on a fait visiter avant le début pour bien montrer que notre maison était vraiment dégradée. Et on a fait trois visites durant les travaux, l'évolution des travaux, et on a eu certaines personnes qui sont venues par curiosité pour voir, mais on a eu notre surprise, c'est qu'on a eu beaucoup de jeunes familles qui sont venues voir notre maison, et certaines, depuis, ont eu l'idée, et la très bonne idée, de racheter des maisons dans le centre-bourg pour venir habiter avec leurs enfants. Donc le coût global des travaux ont été de 202 000 euros. Et l'objectif premier, c'était de démontrer qu'une famille, avec les aides qu'on pouvait avoir par l'ANA principalement, pouvait réduire son coût et qu'on ne dépassait pas le coût d'une maison neuve dans un lotissement. Donc voilà, on sait bien que le terrain agricole diminue au fur et à mesure. Quand on entend parler que sur 10 ans, il y a un département entier qui part en urbanisation, en tant qu'agriculteur, ça nous marque. Voilà. Et je pense qu'on a été là aussi pour montrer l'exemple qu'on pouvait réhabiliter nos maisons. Donc c'est ça un petit peu notre maison témoin, de faire voir qu'on pouvait très bien vivre, être de belles maisons qui soient modernes aussi dans un centre-bourg. On a toujours l'impression que nos maisons sont plutôt anciennes, mais de faire du moderne dans le centre-bourg, qu'on peut très bien vivre, qu'on peut avoir du terrain aussi un petit peu à l'extérieur dans le centre-bourg, et d'éviter un petit peu de trop s'étaler. On aura toujours des gens qui voudront des maisons dans un lotissement, mais il faut aussi qu'on leur donne la possibilité d'avoir le choix. C'est le rôle d'un maire de pouvoir démontrer qu'on peut refaire venir du monde en centre-ville. Tout cela est une suite logique. Notre maison témoin, les premiers travaux dans le centre-bourg, c'est une réflexion qu'on a eue 6 ans à notre premier mandat. Donc on a travaillé avec le CAUE, on a travaillé avec une chargée de mission qui s'est consacrée pendant 3 ans sur ce projet qui a été hyper important pour nous parce que nous seuls, ça aurait été un peu compliqué. Donc on a travaillé avec nos concitoyens aussi de la commune parce qu'on voulait vraiment que ce projet soit approprié à eux, qu'ils donnent leurs idées, leurs envies. Donc on a fait des réunions de travail sur 2 ans. Il est ressorti un projet dessus. Après, on a pris un cabinet d'études qui a travaillé dessus. Et c'était pour imaginer Prampaille dans 15 ans. Donc on a divisé nos travaux sur 3 phases. Donc on a fait une première phase durant le premier mandat. Là, on attaque notre 2e phase et on finira notre 3e phase plus tard pour vraiment changer un petit peu l'image de Prampaille tout en gardant son identité parce que c'est hyper important de garder son identité. Donc, on a fait des ouvertures sur notre ville avec une ville couloir pour démontrer notre belle campagne parce qu'ici, on est quand même, je suis un peu chauvin, mais on est sûrement dans un des plus beaux territoires des Pays de la Loire, sinon le plus beau parce que là, vous êtes quand même au Mont-des-Avaloirs. On a un patrimoine naturel qui est magnifique. Donc, je vous invite surtout à venir le visiter. On a beaucoup de chemins de randonnée, voilà. Donc venez à Prampaille, c'est un des endroits le plus beau des Pays de la Loire. Voilà, on a fini notre visite, vous a fait voir tout ce qui était un peu expérimental chez nous, avec notre maison témoin, les travaux dans le centre-bourg. Mais la meilleure façon de vous rendre compte, c'est de venir visiter Prampaille-Saint-Sanson. Et surtout, venez vous y installer, on vit très 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 bien chez nous. Vous l'avez compris, on a passé un très bon moment avec le maire de Préampaille la semaine dernière. C'est toujours génial de voir des élus passionnés sur leur territoire. Merci à M. Gélin de son accueil, tout d'ailleurs, je tiens à le rappeler. J'en profite parce qu'il y avait une question qui était posée sur la boîte à questions. N'oubliez pas, continuez de poser vos questions, mais quelqu'un disait tout à l'heure, est-ce que vous avez des expériences d'action menées pour repenser justement le projet individuel de famille, justement de façon plus collective? C'est comment on permet à des familles qui souhaiteraient peut-être, qui rêveraient du pavillon en lotissement, de les aider, de les faire cheminer vers, pourquoi pas, ce genre de stratégie qu'on vient de voir à Préampaille. C'était ma façon de répondre à cette question qui était posée tout à l'heure à Sylvain Grisot. Mais comme Sylvain viendra faire la conclusion de notre matinée, je lui dis aussi que cette question lui est posée. Donc, il pourra y répondre s'il a d'autres expériences de comment mobiliser les habitants, enfin, les consommateurs qui cherchent à identifier leur projet de vie autour du logement. Est-ce qu'on peut faire bouger les choses? En tout cas, voilà, c'était une belle expérience de Préampaille. Vous l'avez vu, il n'y a pas de contournement. Il y a une route nationale au milieu, et pour autant,
il y a une stratégie de confort du commerce, hein, qui est plutôt, d'ailleurs, plutôt très vivace, hein, sur l'échelle de cette petite commune, au pied du mont des Avaloirs, et en même temps de repenser cette stratégie de densité par la reconstruction du bâti ancien, qui est quand même souvent un sujet difficile dans les communes rurales. Donc voilà, deux expériences forcément différentes. Les objectifs, on les sent, sont plutôt les mêmes. On a maintenant de quoi débattre, Christian. Exactement. Et je voulais commencer justement avec notre ami à distance qui nous suit depuis son écran, Laurent Delfaux. Laurent Delfaux, nous entendez-vous ? Oui, très bien. Oui. Bonjour Laurent. Vous êtes responsable opérationnel de l'établissement public foncier de Vendée. Vous étiez intervenu le 20 novembre dernier pour nous présenter les missions de l'établissement public foncier de Vendée et votre travaux en matière d'accompagnement des élus locaux du département dans leurs projets de réappropriation justement du foncier et en matière d'aménagement de collectifs, d'habitat. Moi, j'aimerais avoir tout simplement votre vision. Hein. À chaud, on a vu l'importance de ces enjeux, tant sur le témoignage de M. Langouette à Cosset-de-Vivien que pour l'acquisition de ces fameuses maisons témoins. Après Empaille, on voit bien l'enjeu, effectivement, qu'il y a de structurer, finalement, ce portage foncier pour les communes rurales. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel regard portez-vous là-dessus? J'imagine que ça fait écho à des préoccupations que vous pouvez avoir, vous aussi, en Vendée. Oui, tout à fait. C'est, quand je vois les deux reportages et le témoignage des maires concernés, voilà, je me retrouve complètement dans les opérations qu'on peut suivre, nous, en Vendée, qui sont des opérations, voilà, qui sont des opérations maintenant de plus en plus de requalification de centre-bourg, où on va retrouver à la fois des démolitions et reconstructions quand le bâti est extrêmement dégradé, mais aussi de plus en plus, et on s'en rend compte notamment dans les nouvelles conventions qu'on peut avoir, notamment de portage et d'intervention, de réhabilitation de biens qui ont un certain cachet et que les élus souhaitent préserver. Donc le regard que je porte surtout, et le constat que je peux faire depuis que je suis à l'EPF de Vendée, même si ça ne fait pas si longtemps que ça que j'y suis, c'est que ce sont des opérations forcément complexes, qui coûtent beaucoup d'argent public, avec un effort particulier, notamment de la part des élus, pour porter ces opérations-là. On le voit, hein, beaucoup de communication, beaucoup d'efforts, que ce soit des efforts de auprès de la population pour expliquer leurs projets. On est forcément en plus sur de l'intervention sur des biens qui sont des biens souvent qui sont des biens bâtis ou des biens en centre-bourg qui de fait peuvent présenter une valeur pour les personnes, soit y habitant, soit étant propriétaire de ces biens, même si ils n'y habitent pas. Donc on a véritablement un effort décuplé à mettre en œuvre pour la réalisation de ces opérations. Et on voit vraiment la volonté politique des élus en place de prendre part à cette production de logements, de commerces et de services dans leur centre-bourg et éviter l'enveloppe urbaine sur des terres agricoles. Monsieur Delfaux, si vous deviez finalement conseiller une commune en Vendée qui partagerait finalement ces mêmes questions que Pré-Empaille ou que Cosset-de-Vivien, par quoi commencer, tout simplement ? Par commencer par un très bon état des lieux de la situation de la commune, alors que ce soit sa situation en termes évidemment foncières, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voilà, Sylvain Grisot parlait de logements vacants, quelle est la vacance de sa commune, quelle est la dureté foncière, ce qu'on appelle la dureté foncière, c'est-à-dire quelle est la possibilité pour la collectivité éventuellement de pouvoir acquérir des biens, ou alors est-ce qu'on est sur une dureté foncière qui est un peu plus importante, avec des coûts qui peuvent être aussi plus importants, d'avoir un état des lieux du foncier et après d'avoir un état des lieux à la fois du fonctionnement de la commune,
que ce soit par rapport à la production d'habitat ou ce qui est encore plus, pour moi, complexe à mettre en œuvre, la production de commerce, commerce et de services en centre-bourg. Parce que autant la production d'habitat, voilà, on peut se regarder à l'échelle d'un PLUI, par exemple, ou d'un PLH tel que ça peut être fait actuellement. C'est plutôt une approche qui est maintenant relativement généralisée et sur laquelle on s'appuie, nous, de plus en plus quand nous intervenons, ce qui n'était pas le cas au début de l'EPF. Hein, au début de l'EPF, quand l'EPF a démarré, ou même il y a encore quelques années, il n'y avait très peu de documents de planification qui étaient à l'échelle intercommunale et qui parlaient de densité et qui parlaient de renouvellement urbain. Et donc, de fait, notre intervention était parfois compliquée, même parfois pas très bien comprise de la part de certains élus locaux, parce que nous, on venait justement avec ce discours-là. Quoi. C'est-à-dire, on venait en disant « Ok, l'EPF intervient. » L'EPF, bon, comme j'ai pu l'expliquer lors de ma dernière intervention, va mettre des fonds propres pour permettre de diminuer le déficit de ces opérations qui sont extrêmement coûteuses, même s'il y a quand même un reste à charge pour la collectivité. Mais et parfois, on était quand même sur des de temps en temps, on était un peu les poils à gratter de ces communes-là où on venait un peu leur dire ben voilà, il faut faire de la densité, il y a de nouvelles formes urbaines sur lesquelles on peut réfléchir. De fait, c'était parfois un peu compliqué. On se rend compte maintenant, quand même, malgré tout, avec la généralisation des PLUI, des PLH, on peut, ou des PLUIH, c'est encore mieux parce que du coup, on a une réflexion qui est complètement intégrée. Que notre approche est beaucoup mieux appréciée, ressentie et découle quelque part aussi un peu de l'établissement et des réflexions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ces documents d'urbanisme. Un grand merci, monsieur Delfaux, parce qu'avec votre témoignage précieux, vous mettez un petit peu dans la machine plusieurs éléments de débat qu'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir échanger effectivement en plateau. Je vois que ça fait réagir effectivement Christopher et monsieur le maire sur notamment l'imbrication à l'échelle communautaire, l'imbrication également des documents de programmation PLU, PLH. On y reviendra, je pense que ça fait partie donc du sens de l'histoire. Je vous voyais réagir, M. Langouette, par rapport justement aux propos de M. Delfaux, peut-être justement sur la difficulté notamment de monter du commerce. Oui, hein, tout à fait. Alors c'est vrai que lorsque je vous décrivais tout à l'heure le commerce qui est issu de l'ancienne trésorerie, hein, fermée, hein, service oui. public de moins, sur une commune de 3000 habitants, lorsque vous présentez votre projet d'y installer non seulement un appartement, mais un local commercial. Eh bien, la question arrive tout de suite derrière, mais qu'est-ce que tu veux installer derrière ? Qui ? Quand ? Comment ? Et moi, je n'avais pas d'éléments de réponse, très sincèrement, sur ces trois questions, sauf que je partais du principe que si on ne faisait pas de local commercial à ce moment-là, il n'y en aurait plus jamais. Et qu'il faut peut-être mieux avoir un local commercial qui est vide pendant quelques temps. Mais si vous avez un commerçant qui veut s'installer, il y a un local qui est là. Il y a des possibilités. Alors que s'il veut s'installer et qu'il n'y a pas de local, c'est tout de suite plus compliqué. Et effectivement, l'avenir nous a donné plutôt raison. Hein, puisque très peu de temps après avoir été totalement rénové, non seulement l'appartement était occupé, mais le local commercial également. Je vous invite à rester tous présents, notamment cet après-midi, pour la table ronde sur des actions très concrètes, très opérationnelles, qui vont pouvoir être développées. Ça me fait penser tout simplement à l'exemple de Mousillon, une petite commune de 2000 habitants dans le vignoble nantais. Monsieur le maire, justement, interviendra pour parler justement du projet, tout simplement de cette réalisation d'une cellule commerciale rachetée en plein cœur de bourg pour y installer une activité économique. Témoignage passionnant. Je me tourne vers Christopher Rutherford de l'Agence d'urbanisme de la région angevine. Que vous inspire ce volontarisme que l'on voit prégnant, hein, que ce soit donc à Préampaille et Saint-Sanson ou à Cosset-de-Vivien, j'allais dire presque même cette prise de risque, comment vous voyez un petit peu cette vision finalement se dessiner ?
Alors, c'est toujours très stimulant d'avoir ce genre de témoignage d'élus qui savent passer du oui mais au oui et, parce que pendant des années et avec de nombreux interlocuteurs, on a eu beaucoup de mais qui ont été opposés à la dynamique de renouvellement, à la dynamique d'investissement au cœur des centralités. C'est oui mais c'est plus compliqué, oui mais ça coûte cher, oui mais les commerces sont partis, oui mais voilà, la liste pourrait être très longue de tous les oui mais que l'on a entendus très régulièrement. Et effectivement, le fait de réussir à passer au-delà de ces 8 mai, on voit que les communes qui ont franchi ce cap et qui l'ont franchi avec volontarisme, finalement, réussissent à passer une dynamique qui transcende ces difficultés. Ce n'est pas sans difficulté que ça se fait, évidemment. Ce que je note aussi dans les témoignages qui sont faits dans les deux cas, c'est qu'il y a une dynamique qui s'inscrit sur du long cours. Il y a, avant de passer au stade de l'action et de la démolition, reconstruction et de l'investissement d'îlots, des réflexions qui se sont engagées bien souvent des années auparavant, qui ont nécessité des acquisitions foncières, qui ont nécessité d'avoir des démarches donc longues et concertées. Donc ce travail long, il est très important et de par le positionnement que nous avons par exemple en tant qu'agence d'urbanisme, on défend cette nécessité d'avoir cette vision sur justement l'observation de ce qui peut être révélé dans un bourg, dans une centralité en matière de foncier, en matière d'espace public, en matière de mobilité, en matière de tous ces sujets qui doivent être croisés. Et c'est vrai que ça a été évoqué avec l'exemple que l'on utilisait à l'instant de la cellule commerciale que l'on souhaite à tout prix préserver dans le cœur de bourg. Ce sujet, par exemple, de la cellule commerciale ne peut pas être dissocié de l'intérêt qu'auront les habitants à venir pratiquer le centre-ville. Est-ce qu'on s'y promène avec plaisir? Est-ce que le cadre de vie est agréable? Est-ce qu'il y a des espaces qui vont nous permettre de se stationner, de se promener dans ce centre-ville-là, dans ce centre-bourg? Et donc, c'est vrai que le fait de poser un regard, un diagnostic, comme l'évoquait Laurent Delfour, oui, sur un centre-bourg, ça ne doit pas porter que sur une thématique. Pendant de nombreuses années, on a eu des communes qui se sont lancées dans des démarches d'OPA, par exemple, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, sans intervenir sur l'espace public, sans intervenir sur le commerce, sans intervenir sur d'autres sujets, et parfois avec des résultats très décevants. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, c'est vraiment des stratégies globales, multithématiques, qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Petite question, j'allais dire assez franche. Hein, pour autant, je vais faire un petit peu l'avocat du diable d'une certaine manière. Les collectivités sont richement dotées en état des lieux, en diagnostic technique, on le sait bien. Hein. Ça suffit pas. Qu'est-ce qui, selon vous, effectivement, de votre fenêtre, qu'est-ce qui représente effectivement le déclic supplémentaire pour passer à cette approche globale que vous appelez de votre vœu? Les déclics, ils peuvent être de nature très différente selon les communes. Chaque commune a ses particularités. On le voit, dans votre cas, vous évoquez le contournement. Dans d'autres cas, ça va être une prise de conscience individuelle d'un maire qui, à force d'entendre certains discours, finit par se les approprier également et puis par les mettre en œuvre sur sa commune. Parfois, au contraire, ça peut être poussé aussi par ses habitants, par sa population, que ces décisions-là se prennent. Donc en tout cas, ce que l'on voit sur cette question-là, c'est que la prise de conscience de l'intérêt de revitaliser ces centralités, elle est vraiment grandissante. Là où on avait encore beaucoup de difficultés à faire passer des messages de ce type-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Il y a encore, je dirais, allez, 3, 4, 5 ans. On voit qu'il y a des évolutions assez importantes par rapport à ces prises de conscience aujourd'hui. Et puis c'est vrai que de nombreuses communes sont dotées en observatoires, en diagnostics divers et variés, qui parfois ne suffisent pas à révéler, à déclencher en tout cas, une volonté d'aller sur de la revitalisation. Ce que l'on peut dire sur cette question-là, c'est qu'il y a aussi une évolution de la nature de ces diagnostics qui est en cours. Ça a été évoqué dans les propos de Sylvain Grisot tout à l'heure, c'est-à-dire que les démarches de planification, si on parle de PLUI ou de PLU,
Les démarches de planification ont jusqu'à très récemment été conçues dans une logique qui consistait à poser un diagnostic pour savoir comment on allait se développer finalement. Mmh. Où est-ce qu'on allait pouvoir faire le nouveau terrain, la zone à urbaniser, oui. Où est-ce qu'on allait pouvoir accueillir les futurs habitants, la future zone d'activité économique. Et de plus en plus, les diagnostics qui sont posés dans le cadre des PLU visent plutôt à révéler ce que l'on peut faire sur le tissu urbain existant. Plutôt les potentiels. Plutôt révéler les potentiels. Et c'est quand même un changement de philosophie qui est très important, parce que ça change complètement la focale avec laquelle on pose un diagnostic sur un territoire. Donc je pense que ce changement de nature du diagnostic est de nature aussi à favoriser le déclenchement de ces opérations. J'ai une question, toujours sur ces enjeux, ces outils de planification. Monsieur Delfaux, tout à l'heure, parlait qu'on voyait de plus en plus des PLUI se faire aussi en intégrant le volet de l'habitat, PLUIH, etc. Est-ce que vous observez aussi, vous, de nouveaux croisements au service de cette vision plus systémique dont parlait Sylvain Grisot tout à l'heure, justement, entre les questions d'habitat et de mobilité dans cette vision ? Est-ce qu'aujourd'hui, de séparer l'emploi, la mobilité et l'habitat semble de plus en plus incongru aujourd'hui dans le développement local ? Alors effectivement, la mobilité reste est un sujet à part entière et qui doit être intégré aux stratégies d'aménagement à fortiori des centres-bourgs. Je dirais que effectivement, autant du côté de l'intégration de l'habitat aux démarches de planification, il y a un vrai pas qui a été franchi avec les PLUIH, avec l'intégration des démarches intégrées qu'ont proposé les départements. Par exemple, chez nous, c'était Anjou cœur de village. Le département de la Loire-Atlantique a aussi son dispositif, la Vendée également, etc. Donc, ces dispositifs-là ont ancré le fait qu'il y ait des diagnostics multithématiques et pluridisciplinaires sur ces territoires, sur ces centres-bourgs. Le sujet de la mobilité sur les secteurs ruraux reste un sujet qui est plus délicat à aborder parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en milieu rural, évidemment, la voiture tient une place prépondérante dans les déplacements du quotidien. Il faut pouvoir l'organiser, il faut pouvoir organiser sa place, la faire évoluer, bien évidemment, pour retrouver des centres-bourgs qui soient attractifs. Mais ce sujet de la mobilité reste aujourd'hui celui qui est peut-être le moins intégré dans les démarches de planification. Nous, on peut en témoigner. À l'Agence d'urbanisme, on lance une réflexion sur les mobilités rurales avec nos collectivités adhérentes dans le courant de l'année prochaine. Voilà, c'est des sujets qui sont encore à explorer, je dirais, et à mieux intégrer. Et pourtant, on sait que la pratique, la question du vélo en milieu rural, où la France semble un peu avoir fait une croix dessus depuis, historique, culturellement depuis des décennies, on sait que je crois que c'est 47% des déplacements en milieu rural qui font moins de 5 km. Donc on voit bien que la marge de manœuvre, de progrès sur les déplacements alternatifs à la voiture sont possibles en milieu rural aussi. Donc c'est pour conforter votre propos. Il y a une question qui nous vient, une question très concrète qui nous vient de la boîte à questions. Comment les agences d'Urba, comme la vôtre, Christopher, peuvent aussi servir, accompagner, finalement, aider la construction d'un projet communal, très concrètement. Alors, on a plusieurs missions au niveau des agences d'urbanisme, des missions qui sont des missions d'observation, des missions d'accompagnement des collectivités en matière de planification, mais aussi des missions d'exploration prospective ou d'accompagnement de projets, en l'occurrence des projets de centre-bourg. Donc, au niveau de la région Pays de la Loire, il existe trois agences d'urbanisme comme celle d'Angers, une qui est à Saint-Nazaire, une qui est à Nantes également. Et donc dans les trois agences, on a des accompagnements sur, par exemple, les appels à manifestation d'intérêt centre-bourg, où on peut accompagner des collectivités dans le montage des dossiers. Sur le dispositif Petite Ville de Demain, également, les trois agences sont impliquées pour apporter de l'ingénierie territoriale aux collectivités qui ont été retenues dans ces dispositifs. Et puis, nous, pour avoir un témoignage plus précis concernant l'agence d'urbanisme d'Angers, depuis 2017, on mène un travail partenarial associant les services de l'État, associant la Chambre de commerce et d'industrie et d'autres partenaires sur des démarches de réflexion, de revitalisation de centres-bourgs, de communes rurales, notamment sur la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe, donc qui consiste à poser un diagnostic et à identifier des orientations d'action pouvant être menées sur ces différentes collectivités. Donc, si la question posée était de savoir si nous pouvons aider les communes à aller dans ce sens-là, la réponse est oui, évidemment, avec nos collectivités adhérentes en priorité.
Juste pour répondre à une autre question qui nous arrive sur la boîte à questions, quelqu'un qui nous interroge sur des exemples de construction réversible. Alors, monsieur ou madame qui avait posé cette question, je vous renvoie à la visio de la première journée du 20 novembre, puisqu'on a eu un invité passionnant sur cette question-là. Vous retrouverez ça sur le site du réseau rural régional des Pays de la Loire. Oui, la question de la réversibilité dans la construction aujourd'hui, notamment par exemple des parcs d'activités économiques. On a vu des très très belles expériences sur ça, mais aussi sur les bâtiments publics. On voit les choses bouger sur ces questions-là. On vous renverra donc ce lien, bien évidemment. Merci. Avant de conclure cette séquence avec monsieur le maire, juste peut-être un dernier mot sur finalement la bonne échelle notamment, et cette coopération entre communes et intercommunalités. Monsieur le maire et maire de Caussette-Vivien, mais aussi président de la communauté de communes du Pays de Cran, votre regard là-dessus, et après je me tourne vers vous, monsieur Langouette. La question de la bonne échelle est toujours une question très piégeuse dans laquelle je ne m'engouffrerai pas puisque effectivement les échelles, y compris des EPCI, peuvent être très différentes d'un cas à l'autre. Après, il y a l'échelle des SCOT, il y a l'échelle... Voilà, donc je dirais qu'il n'y a pas de bonne configuration ou de mauvaise configuration sur les échelles. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, ce qu'on peut quand même souligner, c'est qu'une démarche qui s'inscrit dans une dynamique de revitalisation de son centre-bourg, de mon point de vue, doit inscrire cette réflexion dans une échelle beaucoup plus large, avec ses voisins, avec son bassin d'influence, on va dire, le territoire sur lequel elle influe, pour que chacun puisse s'y retrouver, pour que des choses très pragmatiques puissent être prises en compte. Comment les enfants, les adolescents qui ne sont pas motorisés, qui habitent les communes voisines, peuvent se rendre dans la centralité que l'on revitalise. Voilà, ça, c'est des questions très, très concrètes qui sont à aborder. Et puis aussi, pour éviter des effets dévastateurs de projets qui pourraient entrer en contradiction avec une politique de revitalisation et qui seraient menés 3, 4, 5 kilomètres plus loin. Ça, ce sont malheureusement des cas de figure que l'on a pu voir dans certains cas. Donc, évidemment, la démarche intercommunale, au sens large du terme, peu importe quelle forme elle prend, je dirais, elle semble indispensable. C'est des éléments qui sont présents, puisque dans les périmètres d'opérations de revitalisation des territoires, par exemple les fameuses ORT, l'échelle intercommunale est rendue obligatoire. Donc, on a déjà pu intégrer tout cela. Et puis, on a vu également, pour ce qui concerne l'échelle intercommunale, des démarches de PLUI, qui ont créé un déclencheur, justement, qui ont fait cet effet déclencheur pour aller vers des opérations de revitalisation de centre-bourg et qui se sont appuyés sur le projet de territoire qui avait été travaillé dans le cadre du PLUI pour se lancer sur ces opérations de revitalisation. Monsieur Langouette, le mot de la fin provisoire pour cette séquence. Alors, c'est beaucoup m'attribuer que le mot de la fin. Je pense qu'effectivement, le bon niveau, c'est le bloc communal. Voilà, on va le dire comme ça. Vous avez bien fait de ne pas vous engager. Je reste persuadé que la dynamique, elle appartient à la commune. Mais effectivement, on n'est pas seul au milieu de nulle part. Nous avons des voisins. Il faut vivre avec eux et construire avec eux. Et effectivement, la communauté de communes est là. Grâce à elle, vous avez la possibilité de mener des projets structurants, un centre aquatique, ça c'est pour notre part, des zones d'activité concertées. Exactement. Quand je dis concerté, c'est pas juste pour faire ZAC, c'est comment réellement concerter, c'est-à-dire c'est pas le plaisir d'avoir une zone d'activité, c'est le fait d'avoir une zone d'activité qui se vend, qui se remplit, qui vit, qui évolue, et pour laquelle il y a de réels besoins. Vous êtes formidable, c'est une superbe transition pour notre deuxième séquence. Je crois qu'on a une petite virgule au niveau d'une jingle. Et merci à vous en tout cas. Merci Christopher. Merci à vous. Et nous accueillons, pour prendre la place de Christopher, Aurore Gérard. Aurore Gérard qui va venir effectivement sur le plateau à nos côtés. Monsieur le maire, reste avec nous. Aurore Gérard, vous êtes directrice générale adjointe développement territorial à la communauté d'agglomération Pornic Aglo, Pays de Ré. Merci à vous de vous être jointe à nous. Je vous en prie. Monsieur Langouette, d'une certaine manière, transition, vous étiez parti sur l'agenda
de vos projets économiques dans les mois et années à venir portés par la commune, mais aussi donc par l'intercommunalité. On est en plein dedans puisqu'on voulait justement dédier cette deuxième séquence justement à nos fameuses zones d'activité économique, nos fameuses zones d'activité économique concertées que vous évoquiez et les stratégies que les territoires ruraux justement ont à mener entre développement périphérique, relocalisation des activités dans le cœur de bourg. J'imagine que les sujets complexes ne manquent pas. Quelle est votre stratégie en la matière, Monsieur Langouette? Alors ma stratégie, c'est peut-être un peu fort, comment c'est la stratégie qu'on construit au niveau du conseil communautaire. Mm-hmm. Là encore une fois, c'est une question d'équipe, savoir là où on veut aller, par où on passe. Donc les zones d'activité, nous avons une communauté de communes de 30 000 habitants avec trois villes, enfin une ville centre et deux villes secondaires. Donc il n'était pas imaginable un seul instant que de mettre des zones d'activité que sur la ville centre. Mais il y a aussi comment certaines communes de plus petite taille qui ont comment une réelle vie économique. Je vais parler par exemple de Saint-Aignan, dont le maire comment, oui, est intervenu sur Réseau Rural la dernière fois, où il y a vraiment une dynamique artisanale et il y a lieu d'avoir une zone d'activité. Alors c'est le nom est peut-être comment un peu fort, mais n'empêche que comment c'est professionnel, il faut dire qu'ils existent, il faut s'en préoccuper, les accompagner et être là comment à leur côté. La vie dans une collectivité, qu'elle soit communale ou intercommunale, elle passe par l'économie. Parce que souvent, on parle du social. Alors je ne sais pas ce que c'est, comment une vie sans social, ça doit être une horreur. Une vie sans économie, j'ai peur que ça soit la même chose. Donc, c'est bien un équilibre entre les deux approches, entre les deux soutiens, entre les deux accompagnements qui font, à mon avis, ce qu'on pourrait appeler une certaine réussite de la politique d'accompagnement social et économique. Votre actualité, c'est une zone d'activité qui sort de terre d'une dizaine d'hectares au cours des mois ou années à venir, j'imagine découpées en tranches, mais aussi un travail de développement d'activité et de l'emploi, tout simplement, dans votre centralité, dans votre cœur de bourg. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Alors, vous le disiez en introduction tout à l'heure, que Côté-de-Vivien, c'est à 18 km de Laval, oui, 20 minutes en voiture. Oui. Donc effectivement, nous avons beaucoup de nos habitants qui travaillent sur Laval et c'est une bonne chose. Mais l'objectif, c'est peut-être aussi d'avoir un peu plus d'emplois sur la commune de Côté-de-Vivien. Il y a des demandes, hein, comment la zone d'activité sur les rails là, depuis quelques mois et les contacts alors, se multiplient pas par paquet de 10, mais on voit bien que comment ça intéresse quand même un certain nombre d'entrepreneurs. À côté de ça, on fait en sorte aussi de préserver le commerce en centre-ville. C'est-à-dire que moi, ça m'ennuierait terriblement, et en tous les cas, comment je m'y opposerais autant que je le pourrais, de voir un boulanger s'installer dans la zone d'activité, comme ça peut se faire dans certaines grandes villes. Oui. Dans certaines grandes villes, il y a un enjeu, il y a une réalité qui est là, et sûrement un champ du possible. Dans une commune de 3000 habitants, je pense que ça serait vraiment ne pas permettre au cœur du centre-bourg de pouvoir exister, de pouvoir vivre. Au-delà d'exister, vivre, c'est comment les deux sont pleinement associés. Et on a besoin de conserver ces commerces en centre-bourg pour avoir une vie dans ces centres. Donc, défense, soutien de l'emploi commercial dans le centre, mais aussi repenser, pourquoi pas, l'emploi tertiaire dans le centre. Je crois que vous avez des projets, un projet de tiers-lieu, de coworking, d'espace de vie sociale. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, comment on a les anciens locaux des services techniques qui sont vides maintenant depuis quelques années, et une association, la MAC, qui porte un festival qui s'appelle les Mouillotins, qui a pris contact avec nous pour monter un espace de vie sociale. Donc là, eux, ils avaient un objectif d'espace de vie sociale, 100%. Nous, de notre côté, on souhaitait aussi avoir peut-être un lieu de coworking, de tiers lieu, etc. Comment, je ne sais pas quel est le nom qu'on pourrait retenir, mais ça ressemblera à ça. Mmh. Et on est en train de le construire avec, là encore une fois, les maires des communes voisines, les présidents d'associations et les citoyens. Donc ça demande du temps, mais
Il faut le prendre, ce temps de la réflexion, ce temps de l'échange, ce temps de la présentation. Autrement, vous avez ce genre de discours qui veut dire le maire, il a prévu de refaire ce bâtiment. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire, mais bon. Donc là, il faut expliquer. Je profite de votre exemple parce qu'il est assez merveilleux. Vous dites qu'il faut du temps, il faut aussi de la chance d'avoir des porteurs de projets locaux. D'où émerge cette idée ? C'est-à-dire que je dis ça, c'est pour partager avec vos collègues maires des autres communes qui nous écoutent. Souvent, cette idée du tiers-lieu, on voit ça émerger partout, nous, dans tous les territoires qu'on accompagne. Un tiers-lieu qui serait pensé à l'intérieur d'un conseil municipal et viendrait comme ça, en verticalité, descendre sur un territoire, ce n'est pas forcément les meilleures façons de le mettre en mouvement. Là, c'est une rencontre entre la décision publique que vous assumez, mais aussi l'innovation, la capacité d'innovation d'un territoire. Et vous, c'est cette chance que vous avez sur Caussée-le-Vivien. Alors oui, on a cette chance d'avoir un milieu associatif très, très dynamique, où on réunit à peu près une cinquantaine d'associations, entre autres les embuscades, pour le festival de l'humour qui permet à peu près à 14 000 spectateurs de passer de bons moments au mois de septembre-octobre. Mais c'est le choix aussi du fonctionnement d'une commune. Si vous avez d'un côté le conseil municipal et de l'autre les acteurs économiques, associatifs ou éducatifs, ça marche aussi. Il y a sûrement des communes qui fonctionnent comme ça. Moi, il me semble que c'est bien tous ensemble qu'on avance. Mmh. Le conseil municipal a peut-être la possibilité de soutenir ces dynamiques. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui prime sur ce genre de projet. Aurore, vous, à Pornic-Aglo, finalement, j'imagine que vous vous retrouvez dans ce discours et notamment aussi sur ce délicat équilibre à trouver entre périphérie, zone d'activité et aussi emploi dans le centre-ville. Comment vous voyez un petit peu cette recherche de stratégie et d'équilibre ? Oui, tout à fait. On est exactement sur les mêmes questionnements. Juste pour rappeler un petit peu le contexte, nous, Pornic-Aglo, c'est une interco qui est issue d'une fusion de deux intercommunalités. Donc une plutôt touristique littorale et puis l'autre un petit peu plus rurale. Et donc l'idée a été de faire en sorte assez tôt de travailler autour d'un projet de territoire. Et vous parliez de déclic tout à l'heure. Et oui. Je crois que ça a été un des déclics de travailler en... Alors, c'était un projet de territoire travaillé vraiment à une échelle très ouverte, puisqu'on a englobé le travail sur le PCAET. Donc, on a travaillé avec la population, mais également les partenaires, le département, la région, qui sont venus enrichir les échanges. Et c'est vrai que très vite, à l'aune de ce projet de territoire et de ses ambitions indiquées dans le plan climat, vraiment très vite, on a mis en exergue les grands enjeux de notre territoire, qui notamment, il y en a eu beaucoup, mais qui tournaient autour de la préservation de notre cadre de vie. Notre cadre de vie, notre paysage, qui est une grande force touristique pour nous, puisque c'est nos paysages qui attirent aussi les personnes pour venir sur notre territoire, donc un territoire très attractif. Donc il y avait aussi l'enjeu des mobilités et donc la redynamisation des centralités a été complètement mis au cœur du projet de territoire. En se disant que, bien sûr, il faut faire revenir du commerce, mais avant de faire revenir du commerce, il faut faire venir des familles, en fait, dans les centres-villes. Et pour faire revenir des familles, eh bien, il faut rendre le centre-ville intéressant, attractif, en termes de mobilité simple, puisqu'on a des modes de vie qui font qu'aujourd'hui, on va au plus vite, on n'a pas de temps, donc on essaye de choisir les solutions les plus simples. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut retravailler pour faire en sorte que l'habitant d'un centre-ville s'y retrouve, en fait, et trouve l'ensemble des commerces, l'ensemble des services et la possibilité de se déplacer facilement. Donc, un travail important de réduction, finalement, des distances. Voilà. D'un point de vue consommation, d'un point de vue emploi, j'imagine. En questionnant, d'ailleurs, aussi l'implantation des équipements publics, parce que... un temps, on déplaçait les écoles à l'extérieur des centres. On disait que c'était plus simple parce que voilà, il y avait la voiture et hop, c'était sur le parcours. Aujourd'hui, les élus se réinterrogent complètement sur tout ça, en fait, et en se disant oui, il y a la rareté du foncier, donc c'est compliqué et ça prend plus de temps de repositionner. On s'arrache les cheveux, en fait, pour aller travailler en centralité. Mais est-ce que c'est pas la vraie richesse de la vie de demain, quoi?
Vous l'avez dit en creux, Pornic Aglo, vous êtes lancé sur une réflexion autour de la co-construction d'un projet de territoire récemment. C'était quoi finalement l'objectif? Qu'est-ce que vous en retenez de ça? C'était la définition d'une vision commune? C'était ça l'urgence ou ça a été encore autre chose? C'était ça l'urgence, en tout cas en 2017. Hein. C'est 2017, donc c'est pas vieux, hein. Notre interco est assez récente. L'urgence, c'était de se découvrir, de s'apprivoiser. Hein. Les deux territoires devaient se rencontrer et faire en sorte d'avoir un projet qui fait sens, partager des valeurs communes. Et donc, ça a été la première urgence. Et là, au tout début du mandat qui vient, ça y est, les élus se connaissent. Les choses sont... On est passé à l'étape d'après. Donc, le projet territoire est revu, mais revu pour s'apercevoir que la plupart des ambitions sont partagées. Mmh. Et donc, on va un petit peu plus loin, pour le coup, sur ces sujets-là. Alors, dès 2018, il avait été décidé de mettre la politique locale du commerce au cœur, enfin, la définir comme d'intérêt communautaire. Et donc, bien sûr, les communes restent totalement maîtresses de leur politique. Mais en tout cas, pour ce qu'il s'agit de travailler la stratégie et d'accompagner d'un point de vue ingénierie les communes dans leur souhait de développement, eh bien, l'Interco est là pour ça. En gros, on a travaillé on a recruté un bureau d'études qui nous accompagne par un marché à bon de commande. En fait, c'est vraiment quelque chose de volontaire. En fait, les communes sont volontaires pour participer à ces travaux. Et donc, quand elles se rendent compte que sur un îlot de leur centre-ville, il y a un vrai sujet et elles sentent que ça va muter et qu'il y a un risque que ça reparte sur de l'habitat et que les commerces s'effacent, eh bien, on travaille avec elles pour leur apporter l'ingénierie dont elles ont besoin. On leur laisse la main politique, mais on fait en sorte que le développement soit équilibré sur l'ensemble du territoire. Et donc, la vision intercommunale apporte, de ce point de vue-là, aux communes. Madame Gérard, une question toujours pour vous de la boîte à questions. Donc, je suis là pour représenter tous nos amis qui sont à distance. Dans cette vision, dans la construction de cette vision commune, justement, vision systémique, finalement, vous avez croisé toutes ces politiques publiques-là. On voit que c'est ça l'intérêt principal. Quelles ont été les actions pensées pour favoriser la mobilité des habitants, justement? Alors, juste, on est au tout début, pour tout vous dire, parce que là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un plan des mobilités pour un service mobilité s'est monté tout récemment puisque c'était à la fin de l'année dernière. Donc les choses sont en place. On a travaillé sur des navettes estivales qu'on essaye de travailler un petit peu plus large sur le territoire. Pas mal d'actions en cours, en fait, en réflexion. Vous donner du concret, c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, on sent bien que le sujet, il est quand même là. On essaye aussi de travailler à la sensibilisation de la population au milieu naturel, c'est-à-dire pour protéger, il faut aimer, en fait. Et donc, pour aimer, il faut connaître. Et donc, faire venir l'habitant dans des... Par exemple, on a un grand enjeu sur le territoire, c'est qu'on est un territoire d'eau. On est beaucoup de zones humides. Pour le développement, c'est pas facile, mais quelque part, c'est notre atout, donc il faut le préserver. Et on se dit, faire venir l'habitant autour des... Enfin, le long des canaux... les faire venir vers des espaces pour les sensibiliser à la préservation de ces espaces-là, eh bien pour nous, c'est essentiel, en fait. Et donc, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais en tout cas, faciliter les déplacements et faciliter surtout la connaissance du territoire. Ne vous inquiétez pas, sur la mobilité, on vous réinvitera, on vous laisse encore un petit peu de temps. Je pense que ce sera plus facile dans un an. Mais dans votre propos, moi, clair. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je fais un lien avec les propos du maire de Pré-en-Paille, Saint-Sanson. C'est dans les deux cas, enfin, il n'y a pas de juste taille de commune pour s'engager dans un projet de territoire. La petite commune de Pré-en-Paille l'a fait également, comme l'agglomération de Pornic-Pédré. Je dis ça parce qu'on voit bien que c'est un outil, c'est une plaidoirie que vous avez menée dans l'intérêt des projets de territoire, mais je crois que vous avez raison, nous on le voit bien. Ces projets de territoire sont une belle façon aujourd'hui de servir qualitativement le développement local. Donc, à toutes les échelles, on voit bien que ça marche. Christian. Garantir cette vision au temps long qu'on évoquait effectivement tout à l'heure. Et ça nous donne les armes pour aller... là, aujourd'hui, on travaille on souhaite conventionner avec l'État dans le cadre de l'ORT. On a deux communes de notre territoire qui sont éligibles au dispositif Petite Ville de Demain. Voilà, tout ça va participer aussi eh bien, aux actions à mettre en place derrière pour aller dans le sens justement de retravailler sur nos centralités. Et on voit bien justement le rôle clé de l'agglo en termes d'ingénierie justement et de mise à dispo.
pour les communes. Oui. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première journée du réseau rural le 20 novembre dernier, Pornic Agglo a engagé une démarche intéressante, inédite, pour réinventer ces zones d'activité économique. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, on a pris conscience aussi très vite, on a 26 zones d'activité qu'on gère en direct, enfin en régie au niveau de l'agglo, qui regroupent 20% de l'emploi en fait sur notre territoire. Sur l'ensemble de cette surface, en fait, on a 312 hectares à peu près de zones d'activité. On a 40 hectares bâtis. Donc, on se dit, voilà, la densité de l'emploi, parce que c'est bien ça, hein, l'idée, c'est de faire venir de l'emploi, donc de la richesse sur le territoire, donc des habitants, et c'est le cercle vertueux. Donc, l'étude que nous avons commandée à Laurent, alors c'était expérimental, hein, donc tout n'était pas parfait, mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance. On a demandé à Laurent de travailler sur le potentiel foncier, le gisement foncier, disponible de manière théorique, en tout cas dans un premier temps, sur nos zones d'activité. Ce qui nous a permis d'avoir, d'affiner les secteurs où on imagine avoir la possibilité d'optimiser en fait, la zone d'activité en question, avec pour objectif ce que je vous disais, d'augmenter le nombre d'emplois, d'augmenter la densité de l'emploi et de la densité du bâti sur nos zones d'activité. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, sur l'habitat, c'est des choses qui sont habituel aujourd'hui, on est habitué à ça. Sur le monde de l'entreprise, c'est un petit peu plus nouveau. Donc on s'aperçoit de toute façon avec la rareté du foncier que nous connaissons. On a un foncier très rare. On est très contraint puisqu'on a la loi littorale qui s'applique. On a des zones humides partout, enfin sur beaucoup de notre un nombre important de notre territoire. Donc ça oblige à se questionner et à faire en sorte de se développer de manière raisonnée. Donc cette rareté du foncier nous contraint dans le bon sens à faire en sorte de se développer différemment, de ne plus avoir un développement classique comme ça a pu être le cas sur les dernières décennies. Monsieur Langouette, Aurore Gérard l'a dit, j'imagine que vous partagez en tout cas cette vision. Le travail finalement sur ces zones d'activité économique et tout simplement le travail pour recréer, relocaliser de l'emploi est indissociable du sujet évoqué tout à l'heure sur le cœur de bourg, sur l'attractivité de votre commune, j'imagine. Oui, bien sûr, on est sur plusieurs, j'allais dire, thématiques transversales. Mmh. Là, on parle naturellement de zones d'activité. On peut parler également de densification urbaine, oui. Pas au sens de l'habitat, mais au sens de l'activité économique. Et là aussi, il faut être prudent. C'est pour ça que vous le disiez, vous le rappeliez tout à l'heure. Nous, notre zone d'activité, on va la faire en plusieurs tranches. Oui. Parce qu'on imagine certaines choses, mais dans 10 ans, je ne sais pas ce qui se sera passé. J'espère le meilleur. Mais en tous les cas, il faut pouvoir peut-être à un moment donné dire on a peut-être trop prévu. Ensuite, c'est parfois aussi des politiques associées, sur le couple, activité au sens entreprise et commerce. Ou je vous le disais tout à l'heure, un équilibre des deux. Et en tous les cas, le soutien de l'un, de lien, ne doit pas s'opposer au soutien de l'autre. Nous avons besoin des deux. Monsieur le maire, j'ai une question moi également. Dans le prolongement de ce qu'a dit Aurore Gérard, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, si près d'un pôle urbain, vous souhaitez aussi réussir à accueillir donc des entreprises. Et qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Elles viennent avec quelles demandes très concrètement? Est-ce que vous arrivez à accompagner, à contraindre un petit peu la demande, parce qu'on sait bien qu'une entreprise qui veut s'installer, elle a envie d'espace, elle se projette peut-être à 30 ans pour faire ses retournements de camions, faire son stockage, faire tout ce que vous voulez, son parking. Est-ce que vous arrivez à accompagner, à contraindre, en tout cas à partager l'idée de la sobriété en foncier qui devient urgente finalement? Alors la sobriété en foncier, c'est quelque chose à mon avis qui s'élabore, peut-être pas au jour le jour, mais d'année en année. En fonction aussi du profil des entreprises. Là, vous parliez de retournement de camions. Je n'ose pas imaginer un seul instant que sur chaque parcelle, il y a un retournement de camions. Il faut au moins le partager entre deux parcelles, voire peut-être avec des aménagements spécifiques qui évitent les retournements de camions.
c'est comment également la gestion des eaux pluviales sur chaque parcelle. On sait très bien que les eaux pluviales sont compliquées à gérer, et tout particulièrement lors d'événements pluvieux très très importants comme les orages, où ça déborde de partout. Et bien, effectivement, si chaque parcelle demain en zone d'activité gère ses eaux pluviales, et peut-être après-demain sur l'habitat, eh bien, il y aura plus de facilité à gérer l'eau pluviale et peut-être moins de coûts de travaux liés au réseau d'eau pluviale. Pour finir, et à vous entendre, monsieur le maire et Aurore, finalement, on voit presque la fin des modèles de zonage classiques très, très cloisonnés. On voit plutôt émerger finalement un modèle hybride où une mixité des fonctions résidentielles, des fonctions économiques se dessiner. C'est quelque chose que vous voyez également de votre échelle à Pornic Agglo ? Oui, complètement. Complètement. C'est quelque chose qui est nouveau et en même temps qui est urgent. En fait, c'est un virage à prendre. À notre sens, il y a aussi une vraie conduite du changement en fait, à opérer auprès des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, notre rôle, il est aussi d'accompagner, d'expliquer le pourquoi. Je disais tout à l'heure, faire aimer. C'est vrai que ça, quand on apporte des contraintes aux entreprises, c'est toujours un peu compliqué. On se dit qu'on n'est pas là pour ça, en fait. Hein. Au contraire, en tant qu'administration, on est là aussi pour leur faciliter la vie et faire en sorte qu'elles ne soient pas découragées de s'installer sur notre territoire et qu'elles aient plutôt l'envie de l'être. Mais je pense que ça passe vraiment par l'enclenchement d'une dynamique, en fait. Montrer que le public ne sera pas sur tout, peut-être passer par des expérimentations sur du foncier qui appartient à l'Interco, par exemple, pour montrer le champ des possibles sur une parcelle, par exemple, alors plusieurs d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, pour montrer que ce n'est pas seulement sur la ville-centre que ces opérations peuvent voir le jour, mais réinventer un peu les formes urbaine dédiée à l'entreprise. Ce qu'il faut, c'est, à notre sens, travailler vraiment aussi à avoir toujours un panel d'offres. Faire en sorte qu'on ait toujours la bonne offre au bon moment, au bon endroit, pour permettre aux entreprises, mine de rien, d'obtenir une réponse de notre part. Une diversité d'offres. Faire en sorte aussi d'implanter des entreprises qui ont une possibilité d'avoir de la synergie entre elles, côte à côte, et avoir un raisonnement, en fait, quand on implante dans la commercialisation, d'ailleurs, de nos zones, le travail de nos collaborateurs, il est complètement revu, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus des aménageurs. On est vraiment à travailler dans la dentelle, en accueillant des entreprises qui auront la possibilité de mutualiser des espaces, de travailler ensemble, etc. Et ça passe également par, à mon sens, la requalification de certaines de nos zones d'activité qui aujourd'hui ont une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années et qui, du coup, enfin, l'enjeu de la paupérisation des zones d'activité est aussi importante. Donc ça peut être, faire en sorte que l'implication financière publique vienne conditionner le changement de modèle, en fait. De dire, voilà, on va modifier un peu notre façon de faire. Enfin, on va aller requalifier telle zone, mais en échange, s'il vous plaît, retravaillez aussi votre foncier. Faites en sorte de ne... Enfin, je parle à l'entreprise. Il faut vraiment qu'on adapte, en fait, le besoin de... Enfin, qu'on prenne en compte le besoin réel de l'entreprise en termes de foncier. Parce que parfois, on s'aperçoit que, bon, c'est du foncier qui est un peu conservé au cas où, alors que si on le pense tout de suite avec des formes urbaines un peu différentes, on peut économiser de l'espace, on peut retravailler aussi nos PLU. Enfin, là, pour le coup, c'est un travail main dans la main avec les communes pour faire en sorte aussi d'optimiser le foncier avec nos règles d'urbanisme. Parce que c'est vrai, quand on implante les bâtiments à 3 mètres de recul de la voie, on peut se dire que finalement, on n'est pas très économe de l'espace. Voilà, c'est tout ça, en fait, aujourd'hui qui est à travailler. Et c'est ça, l'enjeu, c'est de travailler ensemble. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, mais on agit tous pour la même... pour le même objectif. Vous êtes en train de redessiner un peu la fonction d'animateur des chargés de mission économique dans les agglomérations. Oui. C'est passionnant. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Langouette, restez avec nous pour commencer cette troisième et dernière séquence sur nos activités agricoles. Petit jingle.
Et nous accueillons pour conclure et travailler sur cette dernière séquence Madame Patricia Motion, donc élue régionale, et également à distance, en duplex, Rémi Silve, qui est directeur général délégué à la SAFER. Je pense qu'il doit nous entendre, il est à distance. Bonjour Rémi. Le temps de régler ces petits détails techniques. Juste peut-être, Monsieur Langouette, un mot tout simplement. Bon, il faut savoir que lors de la première journée, hein, effectivement, lors du 20 novembre, on a beaucoup parlé donc de l'activité agricole, des pressions subies donc sur l'activité agricole par l'étalement urbain, par l'artificialisation, diminution de la surface agricole utile, diminution également du nombre d'exploitants depuis une dizaine d'années. De façon très, très, très franche et très, très directe, quel constat faites-vous à Cosset-Vivien ? À Cosset-Vivien, comme ailleurs, comment ça reste compliqué, laborieux, avec quasiment la moitié des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans, mm-hmm. qui n'ont pas forcément un projet pour céder, ou qui n'ont pas un repreneur en vue, qui parfois... ont du mal à dire « il faut que je cède oui. », qui ont parfois quelques difficultés à conserver un outil en état, hein, qui se disent « bon non, je m'arrête dans 5 ans, ou je m'arrête dans X années, je ne vais pas réinvestir dans une nouvelle, dans de nouveaux équipements, hein, quelle que soit la production. On est surtout sur l'élevage et la production de lait, naturellement, c'est là aussi. » En 2010, la commune de Cosset-Vivien, comment j'étais pas maire, s'était penchée là-dessus. À l'époque, la question qu'on s'était posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, au niveau d'une commune de 3000 habitants, pour donner un coup de main, pour soutenir le monde agricole. Et il y avait à cette époque-là la notion d'empreinte carbone qui était très présente dans les discussions. Et nous avons une cuisine centrale. Cuisine centrale qui sert naturellement les écoles privées et publiques de la commune, qui desservent à l'époque quelques communes et un collège privé avec lequel on a conventionné. On s'est dit que c'était l'occasion peut-être de prendre des produits de façon très locale. Mmh. Un producteur de porc en plein air, un producteur de pommes de terre qui est passé en bio depuis, chez un maraîcher qui est dans une commune voisine, chez des producteurs de viande bovine qui se sont associés au travers des classes 53. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui a démarré. Ça a été très laborieux. Un petit peu comme les travaux en centre-ville, ça a été compliqué. Mais on y est arrivé. Aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après, nous sommes à plus de 60% de bio et ou circuit court. Nous distribuons 1100 repas par jour scolaire. 1100. Voilà. Depuis, il y a trois communes qui nous ont rejoints. Le collège privé qui a augmenté de 50%. Son nombre d'élèves, donc quasiment le même pourcentage à déjeuner le midi, et d'autres communes qui frappent à la porte. Alors, on n'a pas l'intention non plus de trop grossir, parce qu'à trop grossir, je pense qu'on risque l'explosion ou l'implosion, je ne sais pas. Toujours est-il que ce projet-là, il avait été fait effectivement pour soutenir le monde agricole. On en est plutôt fiers, parce que maintenant, par les circuits courts et bio, alors ça, comment vous remplissez les plateaux, hein, comment vous pouvez faire l'essai, ça marche plutôt bien. En 2010, je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance. Hein, ouais. Je pense que c'est pas la solution, c'est une solution. C'est le fait de participer, de soutenir, de prendre en considération ce monde agricole qui est présent sur nos territoires ruraux. Hein, s'il n'y avait pas d'agriculteurs là, il n'y en aura plus jamais. Et le risque, il est peut-être là. De savoir si on veut conserver nos productions agricoles en France. Et je pense que oui.
Très intéressant, justement, ce lien entre agriculture et alimentation. On y reviendra avec vous, Madame Motion, j'imagine. Mais peut-être un mot donc à distance. Rémi, Sylve, bonjour, rebonjour. Est-ce que le son... Oh, bah, superbe, superbe. J'imagine que vous avez entendu avec attention donc, les propos de Monsieur Langouette, notamment sur son état des lieux qui est, bah, sans surprise, assez semblable à ce que l'on peut effectivement connaître ailleurs, malheureusement, en Pays de la Loire. J'ai notamment relevé voilà, les termes de cession, les termes de capacité à maintenir aussi un outil productif en état... dans la durée, quel regard finalement ça, quel regard portez-vous sur ce témoignage? Oui, bonjour. Donc, ce que dit Monsieur le Maire, malheureusement, c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits, dans les Pays de la Loire. Effectivement, surtout sur les exploitations d'élevage, où on a clairement des difficultés à retrouver des repreneurs spontanés sur ces exploitations d'élevage. Et c'est effectivement une inversion de tendance qui s'est produite il y a 3-4 ans maintenant, je vais dire. Avant, il y a quelques années, lorsqu'une exploitation d'élevage se libérait, on avait tout de suite 2-3 agriculteurs qui étaient en concurrence pour la reprendre. Aujourd'hui, sur ces exploitations-là, mais il faut faire des efforts, il faut faire des efforts partagés pour trouver des solutions de reprise. Et moi, je pense que la position de M. Langouette, ce que dit M. Langouette, et puis on pourra peut-être en rediscuter également avec Mme Motion après, parce que ça nécessite effectivement un effort de la part des opérateurs que nous sommes, nous, à faire, et ça nécessite également un effort à faire en partenariat avec les autorités publiques, que ce soit les autorités locales, la commune, les communautés de communes, que ce soit la région, parce qu'on travaille de plus en plus et on travaille de plus en plus avec la région, justement, pour pouvoir faire du portage. Là, j'entendais tout à l'heure parler de portage sur du foncier urbain, mais là aussi, en matière agricole, il faut aussi créer des outils de portage court, moyen, voire parfois du portage de long terme, si on veut pouvoir aider des agriculteurs à s'installer. Et effectivement, on a plein de gens qui ont des projets agricoles intéressants. On a plein de jeunes qui ont des projets agricoles intéressants sur des circuits courts, sur du circuit des fois plus conventionnel. Il ne faut pas mettre en opposition un circuit par rapport à un autre. On a besoin de tout. Mais si on veut les aider, il faut effectivement trouver des solutions, notamment sur du portage au niveau du bâti et au niveau du foncier, pour permettre à ces agriculteurs-là de pouvoir développer leur projet sans être plombés d'entrée de jeu par le coût de la reprise de l'exploitation. Allons-y franco, hein, quand vous parlez effectivement d'efforts, vous appelez de votre vœu un volontarisme aussi donc des territoires, des intercommunalités, pour se porter, pourquoi pas, pour faire l'acquisition de terrain, c'est cela exactement? Pas forcément pour faire l'acquisition. Alors aujourd'hui, on a déjà un partenariat qui existe avec la région Pays de la Loire pour faire du portage à moyen terme sur 2 ans, qui nous permet de faire un portage pour préparer l'installation. Mmh. On est en train de réfléchir au niveau de la SAFER, en partenariat d'ailleurs avec la Chambre régionale d'agriculture, pour créer un fonds de portage qui permettrait de justement d'éviter aux agriculteurs d'avoir à investir le foncier et une partie des bâtis. Et moi, ce que je souhaiterais, dès lors qu'on va être prêt, et on va être prêt, je pense, en tout début d'année prochaine, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aller voir les collectivités et faire participer les collectivités à ce fonds de portage. Alors, c'est un marché qui doit être gagnant-gagnant. Monsieur Langouette l'a bien dit, il y a besoin de producteurs locaux pour alimenter les marchés locaux. Bon, donnons aux agriculteurs les moyens d'investir. Je ne pense pas que la collectivité, c'est mon avis, je ne pense pas que les collectivités aient vocation à devenir propriétaires des exploitations agricoles. Par contre, si on peut les faire participer avec nous, avec les professionnels, avec des investisseurs locaux, parce que moi je connais aussi plein de citoyens qui sont prêts à investir pour avoir une agriculture de qualité à proximité. Voilà, si on peut participer là-dedans dans un fonds qui fonctionne clairement, dans lequel les données soient claires, c'est pour faire de l'alimentation, pour produire pour les marchés locaux, pour produire pour l'agriculture locale. Je pense que voilà, c'est plus dans un partenariat comme ceci
tout en sachant aussi, à mon sens, c'est qu'il faut que l'agriculteur, reste le chef d'entreprise de son exploitation. C'est fait partie aussi du deal. Il faut qu'on puisse partager ce deal-là, c'est-à-dire qu'on partage l'investissement pour soulager l'agriculteur, que l'agriculteur n'ait pas à supporter la totalité du coût de la reprise, mais il faut qu'il puisse rester le chef de son exploitation, avec probablement derrière des engagements sur la qualité, sur l'alimentation locale et des choses comme ceci. Mais là, on a toute une réflexion à finaliser et à finir de construire, et je pense qu'il faut absolument y associer les collectivités locales parce qu'elles sont en première ligne là-dessus. Il faut y associer la profession agricole, les collectivités locales et puis la région avec laquelle on travaille déjà. Madame Motion, j'imagine que vous adhérez pleinement au discours de M. Sylve. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors en effet, j'adhère parce qu'il m'a piqué une partie de mes réponses. Mais ça veut dire qu'on travaille bien en partenariat. Non, en effet, le foncier agricole est extrêmement important, hein, puisque l'agriculture avec l'agroalimentaire, c'est le premier pilier économique des Pays de la Loire. Donc évidemment, les collectivités, faut qu'on s'en empare de cette protection de foncier agricole. Alors en effet, je voulais parler des portages fonciers qu'on a avec la SAFER pour installer les jeunes agriculteurs. Ça, c'est important. On a des terres qui vont se libérer. On a des jeunes qui sont encore en formation ou en expérience professionnelle avant l'installation. Donc comment on peut anticiper quand ils reviendront pour avoir les terres disponibles pour s'installer. On a aussi, on est en train de lancer une expérimentation avec des actions pilotées par les EPCI pour favoriser la transmission et l'installation. Vous parliez que sur votre territoire, il y avait en effet des exploitations à reprendre et tout. Donc comment les EPCI peuvent aussi s'emparer de cette question-là en mettant autour de la table tous les acteurs des OPA agricoles ou même autres acteurs et se dire quelle action on mène, par exemple, pour pouvoir sensibiliser à cette reprise de foncier et trouver des candidats. On a des collectivités qui font un travail formidable. J'en ai une auprès de chez moi, Ombré d'Anjou, je ne vais pas faire de publicité, mais qui organise tous les ans la semaine de l'agriculture. Et ça va justement du problème de la transmission à l'installation, à l'alimentation de produits locaux, que ce soit à l'école ou dans l'EHPAD. Enfin, voilà, on voit bien que ce problème de préservation de foncier et de transmission agricole concerne tous les acteurs du territoire. On a le fameux projet qu'on soutient justement au niveau du conseil régional Terra Lab, dont parlait M. Sylve. Donc Terra Lab, en fait, c'est des collectivités qui ont du terrain et qui souhaiteraient installer des gens. Mais alors, quand on est une collectivité, comment on fait, comment ça se passe? Donc c'est un accompagnement par la Chambre d'agriculture. Donc c'est un partenariat avec les collectivités qui disposent d'espace pour accueillir de futurs projets agricoles. Et donc là, en partenariat avec, en pilotage avec les chambres d'agriculture. Mais bien pour mettre à disposition, pour installer des agriculteurs qui auront le statut de chef d'entreprise et qui permettront de faire de l'alimentation pour alimenter la collectivité. On a aussi un autre projet qu'on soutient au niveau de la région, et là c'est moins peut-être pour les territoires ruraux, mais plus pour les métropoles, et d'ailleurs on a une expérimentation à Angers, c'est l'agriculture urbaine. C'est comment on fait pour ramener de la biodiversité et des corridors écologiques dans la ville, tout en développant une alimentation de proximité. Et puis aussi recréer un lien social. Aussi, cette agriculture urbaine pourrait aussi avoir un lien pédagogique. Montrer aux gens de la ville comment on fait pour cultiver une salade. On sème, on arrose, il y a besoin d'eau pour faire des légumes, pour l'agriculture. Et voilà, mettre en plus de la pédagogie dans cette agriculture urbaine pour recréer du lien entre la population. Et puis, on a plein d'actions de levier pour accompagner les collectivités, par exemple, l'accompagnement financier pour la transformation à la ferme. On a des agriculteurs qui veulent se lancer dans la transformation de lait, de viande, de blé pour faire du pain. Et là, on peut avoir un accompagnement financier en tant que conseil régional, en tant que département, en tant que PCI pour accompagner ces agriculteurs avec des fonds européens, les fonds leaders aussi. Donc en fait, on a différents moyens pour pouvoir accompagner les collectivités à ramener un peu d'agriculture et préserver son foncier agricole. Oui, alors effectivement, chaque collectivité, développe certaines choses. Nous, sur la communauté de communes du pays de Cran, nous avons organisé des fermes d'étigne, et qui permet aux cédants d'être présents à un moment. C'est organisé en concertation, naturellement, avec la Chambre d'agriculture. Ces cédants sont présents, et ceux qui
les potentiels repreneurs peuvent se présenter et avoir un moment privilégié d'échange avec ces cédants. C'est plutôt intéressant, ça ne fait pas tout. C'est pas là, encore une fois, ce n'est pas la solution, c'est une solution, un complément, une approche différente, parce qu'on sait très bien que pour un repreneur, les démarches, des fois, sont un petit peu laborieuses. Pourquoi ? Parce qu'il faut, se convaincre, se dire que c'est possible, qu'on va être entouré, qu'on va être soutenu. Et à ces moments-là, ben, naturellement, il y a les cédants et les repreneurs, ça va sans dire. Mais il y a également la Chambre d'agriculture, il y a la SAFER et bien d'autres intervenants qui sont là pour épauler et accompagner ces repreneurs. Et c'est extrêmement intéressant parce que mon voisin, qui est maire de ma commune, c'est ce qu'il a fait. Lors d'un farm dating, il a réussi à trouver des repreneurs pour son exploitation. Alors c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont un projet différent de ce que lui avait sur son exploitation, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a même deux couples qui viennent s'installer pour être agriculteurs sur la commune avec une production différente. Mais voilà, une exploitation agricole qui va reprendre n'aura pas forcément vocation à faire ce qu'elle faisait déjà avant, mais s'adapter à ce aussi nouveau public qu'on peut retrouver. Madame Motion, pardon, excusez-moi, peut-être une question pour Madame Motion, peut-être aussi pour Monsieur Silve de l'EPF à distance, une question qui nous vient de la boîte à questions. Comment faire pour qu'une collectivité puisse mettre à disposition de la terre pour des maraîchers bio, par exemple ? Alors moi, je vous dirais, vous prenez contact avec la Chambre régionale d'agriculture. On a déjà plusieurs EPCI qui ont souhaité, ou même pays ou syndicats mixtes, qui ont souhaité en effet faire cette action-là. Donc prenez contact avec la Chambre d'agriculture. Nous, on soutient leur idée, qui vous accompagneront justement dans ce projet-là. C'est un formidable message finalement, d'espoir là, qui est réuni dans ces échanges à trois. Au final, pour assembler les différents témoignages, on voit le rôle des collectivités fondamentales en matière de portage foncier. On a vu aussi cette fonction d'animation se dessiner avec cette mise en relation que vous évoquiez à travers les farm dating. Et enfin, ces fonctions finalement de démarche alimentaire territorialisée que vous avez illustrées, Monsieur le maire, avec votre cuisine centrale. Je me tourne peut-être vers Madame Motion pour ce mot de conclusion. Finalement, la fonction d'animation de la région dans l'ensemble de ce dispositif, en quelques mots, ça pourrait être quoi ? Eh bien, en fait, la région, on accompagne finalement les collectivités sur différentes actions. Bon, alors, faut pas oublier que la mission première du foncier agricole, quand même, c'est une mission nourricière. Hein. Nourrir la population, d'abord la population ligérienne et pour nos collectivités, la population locale. Foncier, alimentation, santé, tout ça, c'est lié. Il faut absolument pas l'oublier. Alors, pour relocaliser cette production agricole, comment on peut accompagner ? C'est d'abord le consommer local, vous en parlez tout à l'heure, en développant l'accompagnement de proximité. Les circuits courts, les filières longues de proximité. On a le deuxième point, c'est les PAT. En ce moment, avec l'objectif des PAT, c'est bien de renforcer l'ancrage territorial de l'agriculture locale, de l'identité culturelle du territoire. On peut allier culture et gastronomie. Développer la biodiversité, renforcer la cohésion sociale, préserver la santé de la population. Et tout ça avec les différents acteurs du territoire, que ce soit les producteurs, les consommateurs, la distribution. Et puis l'approvisionnement local, et bien évidemment, c'est dans nos lycées, enfin dans nos restaurations collectives. Donc on a, nous, au niveau de la région, demandé à nos lycées de s'approvisionner 100% français, 50% régional, 20% sous signe de qualité. Alors, pour pouvoir accompagner finalement toute notre restauration collective, moi je propose aux collectivités, c'est d'adhérer au réseau local que la région soutient. Donc ce réseau local, à l'initiative de l'association des maires, du conseil départemental et de la Chambre d'agriculture, et c'est pour une mise en réseau, encore une fois de plus, le réseau, pour mettre en réseau les collectivités, la restauration hors domicile, la restauration collective, les transformateurs, les IA, les producteurs, et tout ça pour introduire en effet des produits locaux dans les repas, pour soutenir l'économie du territoire, ce qui est important, renforcer le lien social entre producteurs-consommateurs, maîtriser le budget, et puis surtout bien travailler dans la progressivité et le long terme. Donc, avec aussi le soutien du Conseil régional au site à proximité
agrolibre.fr. Donc là où vous pouvez retrouver en effet tous les producteurs et les entreprises agroalimentaires du territoire qui peuvent approvisionner nos différentes restaurations collectives en produits locaux, mais également aussi pour les particuliers, parce que le particulier aussi il a le droit d'avoir des produits locaux dans son assiette. Donc on a ce site là qui permet de répertorier tout le monde. Et puis encore une nouvelle action qu'on est en train de soutenir au niveau du conseil régional, c'est la plateforme aprolocal.fr qui est en train de se mettre en place, qui va être lancée. Et là, c'est une plateforme de commande en ligne. C'est réservé aux professionnels, mais du coup, ça permet vraiment de mettre en lien direct le producteur ou le transformateur avec les professionnels de la restauration. Ça va permettre de simplifier, alors ça, tout le monde adore ce terme, ça va permettre de simplifier les démarches de commande et de facturation. Donc, vraiment un intérêt pour gagner du temps, de la simplification et vraiment avoir cette relation entre le producteur et le consommateur. Et puis, les collectivités peuvent aussi soutenir les magasins de producteurs avec les fonds leaders, peuvent venir en complémentarité des fonds leaders. Merci. Voilà. Merci, Madame Motion. Je sais que Rémi Sylve voulait prendre la parole. Rémi, je vous propose vraiment pour une réponse précise et courte. Je suis désolé parce que le temps est dépassé. Merci à vous de jouer le jeu. Vous avez la parole. Je vais essayer d'être très rapide. Donc, je voulais faire quand même un souci particulier, notamment dans le sud Mayenne à l'heure actuelle. C'est on a un phénomène de céréalisation qui est en train de s'accélérer, notamment dans le sud Mayenne, et il faut qu'on puisse se doter de moyens là-dessus. Et on a besoin de travailler avec les collectivités, justement pour les outils de portage. Et on a aussi besoin, et il y a actuellement un projet de loi qui est porté par un député, M. Sampastou, pour justement mieux contrôler les mouvements de foncier par des sociétés, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui est en train de se passer. Et il y en a par des mouvements fonciers, par des sociétés qui ne sont absolument pas contrôlées, qui ne sont l'objet d'aucune régulation, on a une concentration et une céréalisation très rapide qui est en train de se faire. Donc voilà, je voulais quand même alerter aussi, notamment les élus qui sont là, parce que, OK, il faut du volontarisme, il faut avancer, mais on a aussi besoin de ces éléments d'évolution de la loi pour pouvoir préserver la diversité des territoires agricoles. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Rémi. Monsieur Langouette, je veux bien vous laisser la parole, mais moi je sais que le maire de Cossé-de-Vivien doit rentrer chez lui, il a un impératif. Donc c'est à vous de gérer le temps, mais désormais, avant secondes. De passer à la conclusion. Très sincèrement, 10 secondes. Dire que ce que je souhaite maintenant, au-delà des cuisines centrales, des cuisines des collectivités, quelles que soient les collectivités, on peut parler des hôpitaux, des EHPAD, des collèges, des lycées, bien entendu, ce sont aussi nos restaurateurs qu'il faut pouvoir faire rentrer dans ce mouvement de l'approvisionnement en circuit court. L'intérêt, alors, il va vous péter parce qu'on va prendre du temps, mais d'où l'intérêt du PAT, justement, de travailler avec tous les acteurs du territoire. Et en effet, les restaurateurs, le tourisme aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Merci pour cet enthousiasme, Madame Motion, de fin de table ronde. Un grand merci à Christophe Langouette, le maire de Cossé-de-Vivien, qui a accepté d'être ce fil rouge tout au long de la matinée. Je sais que votre calendrier est chargé. Merci d'être venu jusqu'à Nantes pour nous rejoindre. C'était très sympa. Et évidemment, un grand merci à tous les intervenants. Il nous reste quelques minutes avec Sylvain Grisot, que je vais faire réagir sur cette matinée, puisqu'il a été attentif en coulisses sur tous les propos entendus. Merci, Monsieur Langouette. Vous pouvez partir désormais. Vous êtes libre. Je vais écouter. Je savais qu'il avait le temps. Merci d'être là, Monsieur Langouette. Sylvain, on approche donc de cette fin de matinée. On va rebondir, se restaurer un petit peu. On en a tous besoin et reprendre des forces pour cet après-midi. Mais peut-être en un mot simple, hein, on va être court pour respecter le timing. Une réaction. Qu'est-ce que vous retenez de cette matinée d'échange de professionnels, d'élus locaux sur des sujets transverses, avec au cœur l'enjeu de la sobriété foncière? Ben, moi, écoutez, j'ai appris beaucoup de choses, hein, et on a pu constater ensemble qu'il se faisait des choses sur beaucoup de territoires. On a retrouvé ce terme de volontarisme, mais pour une fois, pas appliqué à la création du dernier lotissement, à l'extension de la zone d'activité. Le volontarisme, il peut s'exprimer autre chose que sur ce thème de l'extension. Alors, ça ne veut pas dire que le maire ne doit pas être un maire bâtisseur, mais peut-être rebâtisseur. Hein. Et en tout cas, on a retrouvé l'élu. On a retrouvé aussi cette nécessité pour le territoire, pour les territoires ruraux dans leur diversité, de s'inventer un futur propre et de pas essayer de singer finalement les recettes du développement des métropoles ou des grandes villes. Peut-être qu'il n'y a pas que de la croissance, mais en tout cas, on a retrouvé, y compris par des élus militants, cette notion d'identité.
mais dans cette version la plus ouverte, c'est-à-dire on part de ce qu'on est, on part de soi pour réinventer. C'est un soi qui est parfois collectif. Il faut apprendre à se connaître. On l'a vu à Pornic avec deux EPCI et des communes qui se rencontrent sur un objectif, on peut peut-être le noter, qui est un objectif au début, un socle, qui est une prise de conscience des enjeux climatiques. Alors éviter de s'étaler, ok, c'est une nécessité, on l'a vu. C'est aussi un moyen de faire, d'avoir plus de sens dans les projets. C'est sans doute des projets différents en fait qu'on fait, au-delà de les faire à un autre endroit. On l'a vu hein, dans votre commune, ce travail sur l'existant, bah, il s'appuie sur du réel, du concret, de l'habité. Donc il y a plus de richesse, plus d'inspiration. C'est sans doute plus long, plus complexe, mais il faut aussi jouer collectif et c'est là où c'est pas que le rôle du maire. Et par contre, c'est sans doute ça, faire de la politique, c'est-à-dire c'est de montrer le cap, donner l'impulsion, donner aussi les moyens. On l'a vu, on a des questions d'outils, on a des questions de compétences, on a des questions de méthodes qui sont pas encore résolues. Alors regarder, révéler les potentiels, on l'a dit, innover sur les méthodes, hein, peut-être être moins sur l'innovation technologique, moins sur l'objet, mais sur la façon de faire, notamment en associant public-privé, en pensant le temps long, penser système, on l'a dit suffisamment, encore faut il le faire. Partager une vision, alors il n'y a sans doute pas de bonne échelle, hein, comme Christopher l'a rappelé, mais on le voit bien, sur tous nos sujets, l'échelle communale est souvent insuffisante pour avoir une vision claire, quelle que soit l'échelle de l'action, ce qui est encore une autre question. Et puis il faut s'outiller, et là on le voit qu'il y a des outils, on l'a vu avec l'agence d'Urba, on a vu aussi que certaines collectivités, on l'a vu avec Aurore à Pornic, se dotent d'outils. On a des établissements publics fonciers, on a des foncières, mais pas partout, pas pour tous les sujets, pas pour tous les territoires. Et là, sans doute, il y a aussi la nécessité de faire collectif, aussi de faire politique, hein, de faire changer des curseurs, on l'a dit, sur les questions d'appropriation des terres, mais aussi sur l'outillage des collectivités, puisque une fois qu'elles ont envie, hein, qu'elles ont compris, il faut encore qu'elles puissent agir. Alors, pour conclure, en fait, le sol, c'est au-delà du foncier, moi, j'aime bien parler de sol, hein, c'est un espace vivant, c'est pas qu'un mètre carré, et c'est pas qu'une unité, c'est un très bon sujet de conversation. En fait, autour de cette unité-là, de ce sol, on peut parler de tout, on parle de l'ensemble du système, c'est le retour au socle, au cœur du système. Alors, pour ne pas faire de jeu de mots, hein, il faut reprendre la clé du sol, sans doute. J'aime bien en faire. Mais on l'a vu, hein, finalement, à Pornic, quand on travaille sur la densification, sur la façon de commercialiser, on apprend à travailler complètement autrement sur ce qu'on appelait un foncier économique et ce qui devient un outil de développement du territoire. Sur l'agriculture, on le voit aussi, l'objet, c'est pas de gérer du foncier agricole, c'est de permettre aux agriculteurs d'être là et c'est de nous permettre de nous nourrir. Donc, ça a une fin en soi, hein, tout ça, et on doit à la fois prendre conscience, se doter des outils et passer à l'action. Merci Sylvain pour cette synthèse de la matinée. On le voit bien, l'enjeu du jeu collectif, hein, au service de cette construction commune sur un sujet difficile. On le voit bien que ce n'est pas si simple, hein, on s'attelle à des sujets difficiles. Merci à tous nos intervenants de cette matinée. On a voulu faire une étude de cas, un fil rouge, en même temps avoir une carte blanche inspirante, mais en même temps des solutions. Je crois qu'il y en a eu de partager. C'était ça l'idée de cette matinée. Il est temps de reprendre des forces, il est temps de se restaurer. Un grand merci à tous nos invités, tous nos intervenants, à vous qui êtes à distance, qui êtes restés jusqu'au bout grâce à la boîte à questions à suivre le débat. On se retrouve à 14h tapante ici même. N'éteignez pas votre réseau, restez connectés. On se retrouve pour une deuxième table ronde qui, je crois, sera aussi passionnante et motivante autour de la question résidentielle des cœurs de bure et toujours des solutions à partager ensemble. À tout à l'heure, bon appétit à tout le monde.